Jean. Et on reste poli par contre, les gars, s'il vous plaît. Monte sur la rambarde, s'il te plaît. Dernière demande. Maintenant, c'est au choix. Soit on tire dessus. Ah bah il a sauté, c'est bon. Vous y avez retiré ses armes ? Il est pas mort, il est pas mort. Il est là en dessous. S'il sort une arme, vous le butez, mais s'il sort rien, vous faites rien. Je vais descendre. Non, le bute pas, il n'y a pas de raison de le buter. Oh, il est mort, hein. Mort de noyade. Bon, moi, il est mort tout seul. Rip. au pire, je peux essayer de faire ça cet après-midi, mais t'auras peut-être pas le temps de le préparer, gros. Je vais chercher une voiture déjà parce que le bruit des pas dans ce jeu me m'horripile là. Comment ça le stream rip? Yo V-Rate. Bien ou bien? Allez, j'ai plus qu'un seul viewer là. Cool. Ouais, Audric. Les gangsters, vous êtes où, s'il vous plaît? Aucune idée, Mata. Je peux pas t'aider. Ok. Moi, je suis parti chercher une voiture. Pas de soucis. Wow. Rangez votre arme, là, monsieur, vous faites quoi? Vous situez où là? Qu'est-ce qu'ils font eux là? D'accord. Je suis au concessionnaire, les gars. Ouais, pas grave, Link. Ce sera pour plus tard. Je suis pas pressé. Oh, j'ai eu trop de boue. Arrêtez, les gars, arrêtez. Stop. Paye ton lag. Vous êtes où, les gars? On est devant le... Le Carrefour Market. C'est quoi cette plaque de verre, là, par terre? Police, nique la police. Oh! On descend. Aïe. On peut monter? Pas de soucis, Link. Ouais, montez. On a pas de 2 secondes, je sais pas, ça a pas bougé chez moi. Moi, perso, j'ai pas d'armes. On attend le dernier, là. J'arrive. Il y a du KFC qui te ramène. Mangerai bien un morceau de poulet, moi. Viens là. C'est pas nos problèmes, viens là. Oh, le KFC! Le KFC, il va finir grillé, je crois. Ouais, il va venir sur la grille. Ah ouais. Ouais, au point de discuter. Non, y'a pas de mot de passe, Sataro. Après, on va voir si t'as bonne qualité ou pas. Nique la police, y'a du KFC. KFC, it's so good.
KFC. Il va me donner envie de manger un KFC, lui. Andouille. Bug à mort. Ah, foutu frein. Ah, ça c'est la conduite. Ah, faudrait les changer les plaques. Yo Ludovic. Faudrait changer les plaques, hein. Ouais, même les disques, je pense. Bonjour. Bon, vas-y. Ça c'est classe ici. Je suis plutôt au jeu de bourre. Classe ici. Il a carrément une barre de pole dance, le mec. Carrément une barre de pole dance. Bonjour. Pour une pizza achetée, vous faites une petite danse de pole dance. Moi je suis danseuse de pole dance. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, j'ai pas les compétences pour. Ah bon, c'est bien dommage. Parce que je vous aurais pris une pizza direct. Juste pour vous regarder danser. Yeah. Oh, monsieur, vous allez descendre de là les gars, sinon je vous vire. Sans pitié. Monsieur, un Mac Morning, vous salé celui avec l'œuf, s'il vous plaît. Ah oui, faut que j'enlève un. Monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Un Mac Morning salé, bon, celui avec l'œuf. L'œuf, s'il vous plaît. Un Mac Morning. Monsieur, je pense que je n'ai pas ça d'un. Ça veut dire Mac Matin en fait. Vous êtes dans une... Monsieur, vous êtes dans une pizzeria. Ah, bah c'est pas marqué à l'extérieur. Enfin, c'était pas marqué quand je suis arrivé. Ah, vous faites des pizzas. Il voudra me les donner après, il va devenir méchant. Oui, monsieur. Il faudrait me lui donner ce qu'il veut, sinon il va devenir méchant. Donnez-moi des pizzas, s'il vous plaît. Monsieur va s'énerver. Ok, monsieur, vous voulez quoi? Il y a pizza reine, pizza au fromage, et pizza au chorizo. Chorizo, s'il vous plaît. Chorizo. Chorizo. Bon, je vais vous sortir ça. Combien vous en voulez? 6. Ouais, 6, s'il vous plaît. C'est combien la pizza, monsieur? Ça fera 600 euros. Ça fera 600 euros, monsieur. Je vais en prendre deux de plus pour moi. Je vais en prendre deux de plus pour ma consommation personnelle. Ça fera 800 en tout. Vous payez tous ensemble? Ok. On peut vous payer tout d'un coup si vous voulez. Déjà les... Ouais, les gars, je vous paye tous. C'est ma tournée. Vas-y. C'est 800 euros. Non, je tiens à payer mes pizzas, tiens. Déjà 200 euros. Voilà, il manque 600. Là. Ah, vous allez bien nous faire une petite remise ou nous offrir une pizza en plus? Oui, Julio, je suis admin. Et... Ouais, monsieur, je vous offre une pizza, ça fera 500 euros. Bah non. Alors, reprenez votre argent, monsieur. Prenez les 800 et vous nous en faites 9. Ah, vous avez... ah ok, vous voulez comme ça, ok. Bah, je vous les passe ou pas? Autant pour moi. Allez, reprenez, redonnez les 600, je veux dire. Excusez-moi. Patrick Tabalou. Merci monsieur. Il se fait troller par sa propre porte, le pauvre. Et ça vous dit pour le break après? Ouais, ça peut être rigolo. My fucking. Ah, je viens de voir un truc intéressant là. Je vais en face de la mairie, vous me récupérez mes pizzas, vous les bouffez pas, sinon je vous bute. Avec des pommes de terre, je pense. Très bien, chef. C'est ma confiance. Vous nous mettez en confiance, monsieur. Voilà, vous êtes prévenu. D'accord, colonel. J'ai entendu quoi là? Alors, monsieur, vous êtes ici. Il vous a dit... Ah, ah. Tu vas venir avec moi, toi, tu vas voir. Tu veux quoi, là, comme métier? Ton casque micro, ouais. Bonjour, fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. Oula, vous avez un problème de gorge, vous. Je suis un peu enroué, excusez-moi. Ouais. Attendez, hop. On va se mettre en sécurité, voilà. Alors, que voulez-vous, monsieur? Ah ouais, quand même.
Une PKM et 3 boîtes, s'il vous plaît. Enfin, 2 boîtes. C'est une OZ, bien ou bien. Je sais plus si je t'avais salué. Des fois, je perds la mémoire. Et des boîtes. Alors, hors RP, excuse-moi, mais je sais pas du tout les munitions pour les PKM. C'est quoi le hors RP, monsieur? Je comprends pas ce que vous dites, vous parlez bizarre. Désolé, mais je me souviens plus des munitions, mec. Bah, c'est votre métier ou pas? PKM. Oui, monsieur, mais j'ai eu un problème de... Comment dire? J'ai dû aller à l'hôpital. Et je me souviens, je me rappelle plus bien des choses que je faisais avant, auparavant. Bah, je pense que ça doit être des munitions d'assaut, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. Vous me donnerez une boîte et je vous dirai si c'est ça ou pas. Ça fera 1 500 $. Eh, vous êtes hyper cher, hein. Une PKM avec deux boîtes, monsieur, votre concurrent, il me l'a fait à 1 200. Hein, votre concurrent, il me l'a fait à 1 200. Ouais, mais monsieur, je dois rentabiliser mon installation, tout ça. Votre installation? Ça m'a coûté cher, j'ai dû empocher un portugais. Ah oui, j'ai dû empocher un portugais. Mais vous savez que ça peut vous coûter encore plus cher? Moi, je vous donne 1 300. Ouais. Et puis, je vous laisse tranquille après. Mais... Et je vous protège en plus, en prime, si vous voulez. Et vous me ferez de la pub? Ah oui, je peux vous faire de la pub, sans problème. Pas de problème, alors. Passez les 1 300 €. Faites un chèque. Je fais pas de chèque, monsieur. Je paye qu'en cash, moi. Ouais. D'accord. Je comprends. Merci, monsieur. Pas très RP comme... Surtout cette plaque-là qui me dérange. Pourquoi faire ça, Taro? Oui, Mélissa, je suis admin. Prenez ça, monsieur. Voilà. Ok. Je vais vous mettre une boîte pour être sûr que c'est cela. Mélissa, merci de ton follow. Ouais, c'est bon, c'est celle-là. Dragono, merci du follow, mec. Oh, bah, y a une cinquantaine de métiers, on va pas tous les faire d'un coup. Parfait. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Pareillement. Au revoir. Au revoir. Vous êtes bloqué, monsieur. Plus maintenant. Et c'est bon, il y a un keypad de l'autre côté, donc je peux rien dire. Je sais pas, c'est un bug, Mélissa. Il y a beaucoup de gens qui ont affaire. Votre profil... Vous êtes là? Oui, je viens de revenir à ma voiture, là, vous êtes où? Dis pas mon blaze, merci du follow. À la banque, on arrive. Et où sont mes pizzas, là? Vous êtes bizarre alors, vous avez une barbe et vous êtes une fille. Je suis désolée, monsieur, mais vous voyez... La vache, un transformiste.
Oui, vous avez vu, il est bizarre cet homme, il dit que c'est une fille alors qu'il a, il a des poils. Ouais, ouais. C'est un transformiste. Il est bizarre. Eh bah, vous l'avez votre danseuse de pole dance là. Aïe, 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 aïe. T'as besoin d'aide ou quoi? Moi je peux pas quand. Non, c'est bon, KFC, KFC il me poursuit là. Quel KFC? Il y a KFC, il me poursuit. Moi je voulais dire bonjour KFC. Il est où KFC là? Il s'est barré, il y avait trop de temps. Parkeval, merci du follow. On va niquer le KFC. Il est là. KFC, monsieur Chef, KFC. Combien votre voiture, monsieur? Je sais plus, une vingtaine de milliers d'euros. Ah ouais monsieur, l'argent sale. On va commencer par perdre. Attention sale. Là mourir. Arrête-toi là. Tu vas mourir. Lui, il est le gars c'est quoi? Le gars c'est quoi? Monte là, monte. Non parce qu'après ça me casse les oreilles, ça t'arrange. Monte. Il est là. Contre le mur. KFC, hein. Contre le mur. Tu vas faire caca. Contre le mur, t'entends? Contre le mur. Alors déjà, je veux t'entendre t'excuser. Tu sais quoi? Je me suis mal pris. Il y a deux policiers derrière. Qui c'est qui a pris la voiture là? Il tire avec le véhicule! C'est le flic! Il y a la police, monsieur. Ils ont volé notre véhicule et il y a la police, monsieur. D'accord. Donc toi déjà. On prend avec nous. Tu viens avec nous là. Au commissariat tout de suite. Ils ont pris le véhicule. Go. On va au commissariat, on va où monsieur? Qui c'est qui tire là? Il tire. C'est dans le comico, c'est le policier. On a un otage. Ouais, c'est qui l'otage? Ouvrez. C'est un de vos flics. Tu t'appelles comment toi? Ouvrez là. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Eric. Ça va mal finir, monsieur. Il s'appelle Eric. Toi là, rentre. Dans son portefeuille. Toi, bouge pas. Viens là. Rentre. Rentre. Tu vas rentrer. Viens, suis-moi. Eric, tu t'accroupis dans l'angle là. Ok. Vas-y, rentre. On a deux otages. On vous prend vos radios, vos téléphones et vos armes à tous les deux là. Okay. Avancez. On vous prend. D'accord. Ouais, mais t'inquiète, je vais m'occuper de lui après. Mais on n'a pas le droit de s'entretuer. Non, j'ai une idée. Eh les gars, en cellule. Ouais. Allez, la police en cellule. La police en cellule. Te cache même pas, va en cellule. Tu me donnes les clés. Tu ouvres et tu te mets à l'intérieur. Allez, tous les flics en cellule là. En cellule. Avec tes potes. En cellule. Refermez à clé et jetez les clés par terre. Fermez à clé. J'ai perdu mes clés, je les ai fait tomber dans les égouts. Fermez la porte. Tu préfères que je te tire dessus? Eric, viens là, avance vers la grille, Eric. C'est moi. Je te rends ta radio 30 secondes. Tais-toi 2 secondes, s'il te plaît. Je te rends ta radio 2 secondes. Tu fais un appel radio, tu demandes à ce que le Cadillac Escalade soit ramené au commissariat tout de suite. Naughty Game, merci du follow. S'il est pas ramené, on vous descend. J'ai posé un micro sur ta radio, je vais entendre tout ce que tu vas dire. Et tout ce que t'entendras. Vas-y, tu veux que je dise quoi? Vas-y, répète, que je dise quoi. Que le Cadillac Escalade qui a été volé devant le commissariat par un flic soit ramené tout de suite.
Ok. Si vous me recevez. Après ça t'arrête. Quelqu'un dans la radio? Il y a d'avoir personne. Non, y a personne. Alors je reprends la radio. Tiens. Vous restez là pour l'instant, vous jetez vos clés par terre là qu'on les ramasse. Tenez, tenez. Voilà. Ok. Ok, je vous donne tous une pilule que vous allez tous avaler et qui va tout vous faire oublier durant les prochaines 24 heures. Compris ? C'est quoi HRP ? Pourquoi tu m'insultes là ? D'où tu dis HRP toi ? C'est quoi ça ? C'est une insulte, je crois. Ah ouais, moi je pense. Hein. Je crois que ça va dire bâtard, truc du genre. Rangez vos armes, rangez vos armes. Vous êtes où les gars? Ouais. Il est où mon 4x4 là? Ouais, Lee, je suis gangster. Moi, j'ai envoyé une prière aux dieux pour voir s'ils peuvent retrouver ma voiture. Très bien, monsieur. Je vais prier avec vous. On est à côté du concessionnaire, les gars. Hey, tu fais quoi sur la moto? T'es fou, descends là, toi. Oh, 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 descends là. T'as pas le droit de voler les motos. Chef. T'as pas le droit de voler, t'es un gangster, mon gars, t'es pas un voleur. Un carjacking, oui, mais vol de moto, t'as pas le droit. Je l'ai racketté, je l'ai racketté. Il était en train de rouler? Oui, il était en train de rouler. Alors dans ce cas-là, c'est bon. Il s'est arrêté devant moi. Dans ce cas-là, c'est bon. Ouais, okay. Ouais, c'est clair, gros. Alors oui. Oui Jay. Apparemment. Je peux venir avant, j'ai lu. Ouais. Ouais je t'en prie. On était en scène là et apparemment il y a un flic qui s'est barré avec mon Cadillac Escalade. Il a volé quoi tu dis? Un Cadillac Escalade blanc. Ok ça marche. Mais c'est pas un véhicule de fonction ça? Bah non. Et il est à moi, il me l'a piqué devant le commissariat. D'accord, et bah, on avait un otage et qui plus est, bah, il a pas à prendre de voiture sans demander, quoi. Ah ouais. Mais c'était qui le mec? Je sais pas, c'était un flic. Ah, c'est un flic? Oui. Ah ouais. D'accord, et t'as son nom? Bah non, on en a foutu 3 en prison là tout à l'heure. Oui, on a mis des flics en prison, je sais. Alors, on avait Eric Alababa en tôle, il y en avait un troisième. Après les autres, je sais pas. Que je vais aller voir déjà Alababa, là. Il est en tôle, lui. Je m'ai dit qui d'autre, Eric? Non, ces deux-là, ils étaient en tôle, on les a mis en tôle. Avec Maxime Couillard, je crois, aussi. Ah, Maxime, d'accord. Donc ces trois-là, tu peux les écarter. Je crois que c'est Ico, mec. Tu crois que c'est Ico qui a pris la voiture? C'est lui, hein. Moi aussi je crois que c'est lui. Moi aussi je crois en lui. Hein. Elle s'éclate toutes les deux avec la moto là. Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder elle là-bas là? C'est elle que j'ai volé je crois. Bah écoute, si je vois la voiture, je te suis en jus, Sam, mais là, je vois pas du tout, enfin, je me suis tapé vers les gars, là... Ok, moi je vais tourner en ville. Problème. Donc, je vais voir avec tous les gars. Ok, je vais tourner en ville. Merci, Jay. Fais-toi plaisir, gros.
Wow! Tu regardais quoi? Bah la moto. Il y en a pas beaucoup en ville, donc hésite. Il y en a pas beaucoup en ville, c'est à toi que je l'ai prise la moto. Hop hop hop, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Axel, Axel, t'as pas le droit ici. Laisse-le tranquille. Enfin, laisse-la tranquille. Pas le droit? Non, t'as pas le droit. Comment t'as regardé ma moto là? Tu l'as mal regardé ma moto là? Non, non, je l'ai trouvée très belle. Dieu, qu'elle est moche. Si on se retrouve un jour. Hey, on est pas... Hey, tu lui rends la moto s'il te plaît. On est pas au carnaval ici hein. Allez, rends-lui la moto, rends-lui la moto, tiens, prends ta moto. Je sais même pas conduire. Ouais, même, qu'est-ce qu'il a l'autre avec son masque là? Devant tout le monde ouais, est là. Au carnaval lui, il fou. Bon, on va le faire rentrer. Arrête-toi. Mets-toi sur le côté là. Attends, 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 ils sont trop là, ils sont trop. Oh, merci du follow mec. Rentre, rentre, rentre à l'intérieur là, vite. Rentre dans la voiture. Il y a de la place à l'arrière, monte pas sur le capot. On verrouille les portes s'il vous plaît. Ah ouais, c'est bon. On verrouille les portes, on prend tous tes moyens de communication et toutes tes armes, d'accord? En plus c'est tranquille et je t'assois à l'avant. On va quartier riche les gars. What? Hey, hey. What? Ah. T'as fait une crise. Surveillez l'otage. T'as fait une crise cardiaque. J'ai une arme pointée sur ta tête. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet endroit? Vas-y, go gars, quartier riche là. Mélissa du 93, merci du follow. Salut Tété. Et non, je cheat pas, non. Hey collègue. Qu'est-ce qu'il fait, Rex, merci du follow. 40 po po po. Le record à battre, c'est 100, collègue, on a connu 103. Je crois. Ouais, cette nuit, on a atteint 103, ouais. Attends, 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 arrête-toi, arrête-toi. Oui, il est mort, si, on le prend en otage, non? Il a pas l'air d'être là, il a pas l'air d'être là. Je crois qu'il a une absence, les gars. Revenez, revenez, revenez. Ce serait perdre du temps. Ça va et toi, super? Hey, let's go. On va se prendre une maison. Non, Tété, je le fais pas exprès. Ouais, mais non. Faut qu'on prépare la maison avant. On va se prendre une maison. Mets-toi dans le garage là-bas, là, dans le garage à gauche. On va prendre une maison. Il est ouvert. Et on va faire de la bœuf, c'est ça, monsieur? Non. Mais c'est pas un garage, ça. Bah, c'est pas grave. Tout le monde descend. Oh là là. Oh, fais gaffe. Non, mais j'ai un. L'otage, tu descends là. J'ai un bœuf. Eh, viens par là, là. Viens par là. Oh ouais, l'otage, par là, là. Dans le garage. Ouais. Non, 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 reste là, reste là. Tu fais quoi, là? Oh, je t'ai dit dans le garage, je t'ai pas dit d'aller ailleurs. Tu te mets dans l'angle, là, tu t'accroupis. Tu vas... Tu vas nous lâcher 200 euros, là. Je vais 1$ sur moi. Mais je vends pas. Bah, lâche 1$ tout de suite. Eh les gars, y'a des gens dans la maison, y'a des gens dans la maison, j'ai entendu des personnes. Ok, bah, on va aller voir ça. Oh putain, les gars. Donc, toi, déjà, je vais t'assommer. Et mon collègue là. Lui là, il reste là, il va te donner un cacheton pour te faire oublier les choses. Donne-lui ton cacheton magique là. Bonne nuit.
T'as vu des gens, j'ai entendu parler. C'était peut-être à l'extérieur. Peut-être. Dans cette maison. Je recrute pas de modo pour l'instant. Bon, on se tire avant qu'il se réveille lui là. Enfermez-le. Oui, je suis admin Brurex. Bon, vous montez là ou on enfile des perles? On peut faire les deux, non? Couscous soldier. Oh Link, t'es méchant. Oh ici, on ferait pas quelque chose ici là, monsieur? Ah, il y a peut-être quelque chose de faisable, on va aller jeter un œil. Range ton arme pour l'instant. C'est où que ça tire là? La voiture de police elle est ouverte hein. Ça arrive. Sortez vos armes tous, sortez vos armes. Hey. Bonjour, ça va? Wow, c'est... C'est quoi ce délire? Ça en joue? Il passe quoi, collègue? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Il y a un mec qui est à travers, Eh Sam, tu peux me TP ou pas? On est de la police là, tirez pas, on est de la police! Bah vous nous tirez dessus! T'es sérieux là? J'ai pas tiré, c'est geek. Contre le mur là. Genre, qu'est-ce que tu fous avec une AK toi déjà? Collègue, y'a des mecs cagoulés là. Des mecs cagoulés? Bouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel là? Personne rentre. Personne. Vous dégagez. Tu dégages toi. Bute-le, foutu couscous soldier. Celui qui m'a tué va me rembourser, hein. J'avais son commissaire en joue, il me tire dessus comme ça, là. On est plus à... Ils sont à gauche. Oh, c'est quoi qui se passe, là? On peut savoir pourquoi vous tirez là? C'est quoi ce travers, n'importe quoi. Je vous ai dit. Et tu vois un mur où toi? Contre le mur. Là-bas. Voilà, mais c'est une vitre, hein, je te apprends. Tu leur dis bougez plus à terre.
Tu l'as dit. Je sais pas. Allez, allez, j'ai pas le temps, à parler. Monsieur, discutez pas là. Discutez pas avec moi. Vas-y sur le trottoir. Monsieur. Je discute si je veux. Venez. Je viens pour m'acheter un costume et je me fais agresser. Bah monsieur, excusez-moi, vous êtes armé. C'est vous madame. Je vais expliquer un peu la situation. Je crois que ce monsieur a rien fait. Je crois que c'est ses collègues qui ont complètement merdé. Ah mais monsieur, excusez-moi, mais il était. On est arrivé. Attendez, je vais expliquer, attendez. En fait, on était arrivé sur un labo de Met, et tout d'un coup, un labo de quoi et, s'est mis à sortir par-dessus et à tirer. Je sais pas pourquoi il a fait ça, le commissaire, mais on était en train toujours de se l'occuper de ce fameux labo de Met. Ah, mais moi j'ai rien fait, je venais voir pour acheter un costume. Et je suis arrivé là-dedans, on a commencé à me tirer dessus. Votre collègue, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Salmou, merci du follow. Une petite fille, monsieur, parce que votre collègue avait un sniper, monsieur. Eh oh, vous m'enlevez ça tout de suite, là. Vous m'enlevez ça, vous avez pas besoin de me mettre ça pour me fouiller, monsieur. C'est de l'abus de pouvoir, enlevez-moi ça tout de suite. Enlevez-moi ça tout de suite. Précaution. Et ma main dans ta tronche, ça va être une précaution aussi, enlevez-moi ça. Oh là là, il est monsieur, pas trop gentil ce monsieur. Mais d'où vous me mettez des menottes? J'ai rien fait, j'arrive, je viens pour acheter un costume quoi. Eh, faut apprendre à vous détendre un peu et ranger votre arme là. Techniquement, il a rien fait, je sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes à côté d'un Écoutez-moi, il y avait un individu armé monsieur à côté de vous qui avait à peu près la même tenue. Mais écoutez, vous êtes à côté. Ah ouais, donc en fait c'est un délit de sale gueule quoi. Bah vous fouillez monsieur. Eh ben enlevez-moi les menottes, pourquoi il a pas les menottes lui? Les propos là. Circulez s'il vous plaît, circulez. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, c'est du racisme. Voilà, monsieur. Et l'autre avec son masque, l'autre avec son masque, vous lui mettez pas... L'autre avec le masque, vous lui mettez pas les menottes, bizarrement, alors qu'il est là aussi. On va discuter, parce que j'étais là. Voilà, monsieur. Il m'a dit arrêtez de tirer, j'avais dit... Monsieur, on va monter dans la voiture. Voilà, monsieur, attendez, je vous libère, monsieur, c'est moi qui ai les clés, attendez. Attendez, on va discuter tranquillement. Je vais aller manger un McDo avec ce monsieur. Délit de sale gueule. Ah, au pire, si vous voulez, garez-vous à côté de mon Cadillac blanc, là. Vous voulez pas qu'on mange un McDo, là? On en discute non, tranquillement. J'ai mangé une pizza tout à l'heure. Écoutez, franchement, moi, j'étais à l'intérieur. J'ai entendu des tirs, j'ai montré ma tête et j'ai reçu quelques balles. Et j'ai dit arrêtez de tirer, j'ai entendu votre voix, c'est vous qui avez commencé, je sais pas ce qui s'est passé monsieur, mais la police et le gouvernement s'excusent pour ce qui s'est passé. Bah non mais moi je viens pour acheter un costume, et j'entends des tirs. J'ai cru que vous alliez nous tuer hein. J'ai même mais pourquoi je vous aurais tué? Je suis pas armé. Fouillez-moi, vous verrez, je suis pas armé. C'est pas vrai, j'étais armé, mais je vous fais confiance, je vous fais confiance, par contre, pourquoi vous avez... Bien joué la police d'arrêter ces caïds. Je voulais pas mourir hein, je vous ai dit, attendez, ils ont voulu la tuer. S'il vous plaît, monsieur. Regardez ce qu'il fait à votre véhicule. Écoutez, le gouvernement et cette ville, tout ce qui s'est passé. Merci, monsieur. Et en guise de dédommagement, mes sincères condoléances pour vos amis perdus dans cette affreuse histoire. C'est moi qui vais payer les obsèques. Arrête. Monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez, vous pouvez me faire une demande à la mairie, je pense qu'ils paieront les obsèques. D'accord, monsieur, je vous remercie, je vais aller voir avec la mairie. Sam, arrête-toi. Ouais. C'est à toi qu'ils disent de t'arrêter depuis tout à l'heure? Bah non, mais ils m'ont déjà contrôlé, moi, ils ont oublié rien, c'est bon. Ok. Merci, bah, officier. Mais t'arrêtes. Arrête de taper la voiture. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Quand je dis t'arrêtes. Bah t'arrêtes. Arrêtez-moi, monsieur. Tu dégages. Non mais me donnez pas d'ordre, monsieur, s'il vous plaît. Bah tu dégages, ça tape la voiture. Dégage. Attendez, le gouvernement s'excuse pour ce qui s'est passé. Ce sera mieux. Non mais déjà, vous me mettez les menottes gratuitement, là. Alors attends, il me manque monsieur des Sam, collègues vous là. Abusez, allez-y. Non, mais j'abuse pas. Eh, hey, vous voyez bien que j'ai un de mes amis qui est en face là, je vais l'attendre. Vous pouvez bien patienter 30 secondes, non? Doucement, s'il vous plaît, on a déjà été gentil. Même si vous avez eu des collègues. Ouais, c'est ça, gros. Un peu de la charité de la police. La charité. C'est très beau ce véhicule, vous vivez de quoi? Vous vivez de quoi, monsieur Sam? Moi, je fais du trading. Quoi, j'ai pas entendu parce qu'il y a du trading, j'achète des actions et j'en revends. Ah,
D'accord, monsieur, vous êtes... Ah, d'accord. Et je vois que ça rapporte bien, hein. Ça va, ça coûte pas cher, un Cadillac Escalade. Bon, ils se sont tous barrés. Bon, bah tant pis. Et puis combien, parce que je dois acheter la même pour ma femme. Oh, je sais pas, c'est mon père qui me l'a légué, celui-là. Bon, bah je vais bouger, passez pas derrière le véhicule, s'il vous plaît. Je vais arrêter de vous embêter, je vous laisse tranquille. Montez avec moi, montez. Collègue, allez-y, montez. Putain, le lag. Horrible. On va retourner voir l'autre, à se rééquiper. T'es moche. Oui, monsieur, oui. Oh, lequel d'entre vous a récupéré ma PKM, là? Le prisonnier, merci de ton follow, mec. Est-ce qu'il est encore là, lui? Ouais. Bonjour, c'est à nouveau moi. Bonjour. Il me faudrait la même chose, s'il vous plaît. Je m'en souviens plus, j'ai eu beaucoup de liens entre-temps. Une PKM et deux boîtes. Une PKM et deux boîtes. Bah, 1003, alors. Femme. Voilà. Je suis parti me rééquiper. Je crois qu'ils ont buggé, par contre. Je dois aussi y aller, alors. Shucks, Maurice oui, Parker, merci de ton follow. Oui, monsieur, que voulez-vous? Oui, tout à fait. C'est une réunion privée, monsieur. Allez-vous en. Je suis devant la mairie, pourquoi? Bah, monsieur, j'ai mon entrepôt là-bas. Je suis déjà avec un client. Qu'est-ce que vous faites? Donc, veuillez attendre quelques secondes, d'accord? Rappelez-moi dans... Suis droite quand on est dos à la mairie. Ok. Ok. Je me rééquiper. Attendez, là, je suis déjà avec un client. Raccrochez. C'est quoi le nom du vendeur d'armes? Ça va, tu veux me taser, c'est ça? C'est Louis. Louis McCall. D'accord, merci. Vous voulez me taser? Non. Et toi, sur la règle du RP, on doit sortir son taser et pas le pistolet. T'as rien fait, donc. Alors, j'ai l'air d'être... Voilà, monsieur. Parfait. On s'est jamais vu. Je vous dis à bientôt. Ah, je suis bloqué, j'ai la main bloquée dans la vitre. Merci, monsieur. Voilà. Ah, tiens, salut, beau gosse. Un par un. Viens avec monsieur. Moi, beau gosse. Bonjour. Est-ce que vos armes sont légales? J'ai pas de... Parle moins fort, toi. Il y a du monde, parle pas comme ça. Monte. Airsoft. Monte. J'ai pas d'airsoft. Bah, monte. On va trouver un petit magasin. Atchoum. Ah. Ça pue le reboot. Les gars, n'achetez salut, pas d'armes, de la PC. Un reboot dans... Trop tard. Ouais.
fin du monde. Ouais, c'est ça. La fin du monde est annoncée. Je sais pas si je vais réussir à me recours, parce qu'il y a trop de gens qui vont se couper. Sympa, la déco. Bonjour. Bonjour. Ça va pas vous servir à grand chose, monsieur. Salut Alice. Ça va et toi, Paltenox? Faut qu'on aille au regard rouge. Et je m'étais fait voler une de mes voitures et elle m'attend là-bas. Vas-y, tu vas la conduire. Ça va être un autre game. Constant. Bah, je suis toujours sur impulsion, hein, j'ai pas changé. Elle est pas abîmée? Aïe! Vas-y, avance, avance, avance. Salut les filles! Alors les filles! Merde, ils m'entendent pas. Salut les filles! Putain! Catastrophique, hein, la conduite sur ce serveur. Alors les tapettes. Non, non, tu prends les sous, tu prends les sous. Vas-y. Je vais pas le faire. Oui, c'est un peu coincé là. Je suis coincé dans le caca et au... Vous êtes où les gars, vous êtes où? On est au McDo, nous. Voilà, c'est bon, merci. Vous êtes coincé? Venez, reprenez vos 15 dollars. Attends. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, joli chapeau. Ouais, un peu, hein. Merci. Il y a des mecs à capuche aussi. Il y a des mecs bizarres à capuche, là. Ah ouais, ah oui, c'est vrai que t'as eux tout à l'heure qu'ils vont faire les poches, là. Je ils ont essayé de vous faire les poches, monsieur. Ouais, ouais, ils ont essayé, ouais. Ah, bizarrement, ils ont fui. Hein. Ah bah oui, parce qu'ils sont nuls, monsieur, attends. Ils font comme ça, tu remets une petite claque, ils ont mal. Par contre... s'il vous plaît, tu le sais, je suis derrière, là. Ça sent pas de m'ouvrir. 30 secondes, 30 secondes. Oh mon dieu, je vois l'astéroïde. Au secours. La météorite. Ah, c'est de l'airsoft de qualité, monsieur. Ah, c'est classe, ça. Oh, oh, oh! Vous tirez pas dessus les uns les autres, là, on tire dans le... On bête ou quoi? Merci, Naughty Game. T'as bien aimé, alors? On a atteint les 103 viewers quand même sur cette partie de la vidéo, si mes souvenirs sont bons. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'hélium, là? Depuis qu'ils ont mis Fusion Agora RP,
quasiment plus personne sur leur serveur. J'ai mon bot là. Hollow Knight bot à pas se remettre à chaque fois là. Plus de 100 en taux parce que j'ai commencé, j'étais à 1229 follow et j'ai terminé à 1340. Faut juste attendre que ça reboot. Yo Sky, bien ou bien depuis cette nuit. Moi j'espère que vous me suivez sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter. On va annoncer où est-ce que vous pourrez me trouver sur Paris pour la Paris Games Week. Puis on essaiera de faire une petite rencontre follow. Enfin, je sais que je suis pas un streamer très important, mais bon. Et si ça peut vous faire plaisir. Faire découvrir aussi. Enfin, vous faire découvrir, je ferai des petites vidéos avec Adri et Verdoz, la PGW, donc ça peut être sympa aussi. Je les mettrai sur YouTube. Ah, suivez-moi. C'est parti. Bienvenue sur le serveur. Salut Loïc. Un serveur roleplay où la bonne ambiance règne. Il est interdit aux moins de 18 ans, néanmoins vous avez la possibilité de nous rejoindre en suivant les instructions et en prenant connaissance des règles de conduite sur le forum. Un TeamSpeak est à disposition des joueurs. Bon jeu à tous. Salut Abdel. Ouais, t'as vu Link? Ça, c'est du beau t-shirt, ça, je kiffe celui-là. C'est sur linkink.net. Gangster, j'étais déjà gangster là, juste avant de reboot. Et si on faisait voleur? Abdel, merci de ton follow, mec. Non, je vais pas avoir un stand, j'y vais en tant que visiteur. Un métier légal. Ah, si je fais flic, je fais uniquement commissaire. Moi. Sinon, je vais être obligé d'insulter le commissaire s'il est incompétent. On n'a pas le droit au flic ripou sur ce serveur, Abdel. Eh, hey, merci Lee. Tu vas voir. T'as la vidéo de... Ah, t'as un morceau de la vidéo du live d'hier déjà. On s'embrouille avec un joujou JN. C'est relou, j'attends une livraison. Il y a plein de gens qui passent dans la rue, tu vois. Il y a un peu de soleil, ils se disent, hey, tiens, on va se promener, il y a du soleil. Mais non, tu restes chez toi, tu vas devant le stream de Suprême quand il y a du soleil. Bluetooth, merci de ton follow. Je ne fume plus Naughty Game, je tire de temps en temps sur une cigarette électronique où il n'y a pas de nicotine. Ah ouais, quand même, 23 personnes à 5h30, c'est lourd.
D'ailleurs, c'est déjà pris. Ah, ça bug. Salut Lolo. Bien ou bien. Petit bug, hein. Tout petit bug. Salut les Chmamout et la team 63. Le flic qui s'énerve pour rien, non, c'est pas trop mon style. Un PC très performant, non, pas spécialement. J'ai juste gros bug de ouf, comme vous pouvez. Ça, c'est un truc de malade. The Croco, merci de ton follow. Réduire un peu la taille. Nickel. De Bioasne. Non, t'as pas le droit, Sky. Bah oui, Gmod, c'est du Half-Life 2, donc tu prends la config de Half-Life 2 et ça te donne à peu près la config que tu as besoin pour faire tourner Gmod. Et suivant les textures, les packs. Quoi ce délire là? De quoi? Vous faites quoi là, monsieur?
Bah en fait, si vous voulez, je suis en train de construire en fait. Ouais. Attention, je vais mettre un bouton en fait. Un bouton, je vais mettre. Alors, c'est un McDonald's, hein, c'est pas une banque non plus. Oui, mais bon, hein, des fois, vous y a avez des juste de feu, à... j'ai pas trop envie de me faire braquer, vous voyez. Vous avez juste à sécuriser cette partie-là, vous avez pas à bloquer l'entrée, hein, ça doit être libre d'accès là, le McDonald's, monsieur. Mais non, regarde, c'est libre d'accès, monsieur, là. Par contre, oui, non. Si je le fais mal, non, c'est non, sûr, non, non, c'est moi je vous dis que c'est pas. Si c'est... Vous avez pas à faire comme ça, monsieur. Ok. Pour. Collègue. Bon, bref, c'est pas grave, je ferai après. Ouais, j'ai entré. Bon, vas-y. Par contre, attends. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, tu peux vite fait ici. Tu t'appelles comment? Je m'y connais pas. Une fading door à l'entrée du magasin. Le braquer, c'est le jeu aussi, hein. Tu peux pas. Putain! Le bug à la con! Électrique. Non, ça va. A plus, Lee. A bientôt. Merci Ramos. Un peu marre là, on serait bien que on soit. Les caisses tranquilles. Wow, descendez du véhicule là. Tu fais quoi là? Constat. Il faut faire un constat là. Je l'ai pas touché votre voiture. Vous voyez le pare-choc, il touche même pas. Vous l'avez touché encore actuellement, alors descendez du véhicule. Bah déjà vous allez pas me donner d'ordre. Montrez-moi votre badge, je prends en photo. Rien, elle est même pas abîmée, y'a rien, arrêtez un peu là. Je l'ai pas touché. Vous venez de reculer légèrement, monsieur, allez. Ah non, je l'ai pas touché la voiture, y'a pas de trace. Les réparations. Jean. Ah bah il va y en avoir pour 500 euros. Monsieur le vendeur. Ah je crois pas, non. Vous pouvez venir avec moi, monsieur. Il va y en avoir pour 500 euros. Monsieur le vendeur. Moi je crois pas, tenez. Jean. Non. Monsieur le commissaire, ça parle de vente d'armes. 500 euros, il manque un zéro. Restez là. Je suis flic, hein, je suis pas... Vous voyez vos voitures? Eh, vous avez une voiture comme ça, c'est que vous avez le moyen de l'entretenir, monsieur. Il manque 450 euros. Je donnerai pas plus, monsieur. Ça se voit qu'en même temps, vous avez pas les moyens d'entretenir votre véhicule, vous, hein, vu comment elle est abîmée. Ah, vu votre masque, je serais vous, je me tairais. Bien, la police. Ben non, je me tairai pas. J'irai porter ça en justice, monsieur. Bah, allez. Victime. C'est toi la victime, Aiden. Bonjour, vas-y, montez.
Montez, montez, collègue, montez. Je sais pas, ça arrive des fois. Montez, montez, montez. Je sais pas, mais c'est vrai. Comment veux-tu savoir où tu vas? Je sais pas, en taux peut-être, pourquoi pas. Ça gratte. Comment vous appelez, collègue? Sam Guzman. D'accord. Bah moi c'est Sam Liefeld. Ça fait deux Sam au carré. D'accord. Bon, Dans la ville, monsieur ? Ouais, je viens d'avoir une légère altercation avec un homme masqué qui m'a accusé d'avoir enfoncé sa voiture, alors que je l'ai pas du tout touché. J'ai lâché 50 euros et était heureux. C'est plus, Thibaut. Je pense que c'est pour gratter un peu d'argent de la fois. Ouais, je pense. Une tentative malheureuse. Bon, vous avez une voiture de fonction, monsieur Guzman ? Non, justement, je suis parti retirer, mais je pourrais aller en prendre une. Ok, bah, je vais vous déposer au concessionnaire. Merci. Salut Nicolas. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. De rien. Un aileron sur un pick-up, j'aurais tout vu. Attendez, prenez son... Attends, je pousse ta voiture, pousse-toi. Il m'a semblé voir monsieur le commissaire, là. Oui, bonjour. Ah, oui, monsieur le commissaire. Excusez-moi, attends, là, bouge pas. Un véhicule qui conduisait n'importe comment. Deux secondes, monsieur, s'il vous plaît. N'importe quoi là sur la route. Okay. Je te laisse lui rendre son argent. Ouais, t'inquiète. Merci. Tu veux un steak? C'est gratuit. Django Léon, merci du follow et merci Nicolas, je sais plus si je t'ai dit merci. Ouais, Django, c'est clair.
Antonino, merci du follow. Ah, c'est que je... D'accord. Bon, bah... On va passer admin, hein. Ouais, je débloque quelqu'un et je reviens. Est rentré, attends, je reviens. Rentré sans payer. Attends, je reviens. Ok, si tu peux débloquer les lampes juste. Attends, toi tu... Ah, qu'est-ce que tu fous là en même temps? Ah bah ouais, c'est une façon de garer des voitures ça? C'est pas une façon de garer des voitures ça? Ça encore. Mais allez, ferme-la, qui c'est qui a forcé là? Ah, merci. Garez-moi mieux ces voitures avant d'exploser sinon. Bah elles ont déjà explosé malheureusement, c'est à cause de Morgan. Bah faut le virer. Oh y'a un ennemi, oh, parfait pour toi. Ouais c'est bon. Sors. Allez, sors. L'ennemi il s'est TP. Quelle partie, Hugo, de quand je te dis ça doit être libre d'accès à un McDonald's, tu comprends pas? Mais c'est libre d'accès, non? Non, non tu la fermes comment, là, ta porte? Montre-moi comment tu la fermes. Comment tu bloques la porte, là? Laquelle? Ah, celle d'entrée, c'est pour... C'est tout. Que j'entende pas que tu actives à distance. Hein. T'as pas le droit aux télécommandes. Hein. Mais non, Dad, je... Sors, Dad, mais de toute façon, ils peuvent la... Il y a un bouton. Ils peuvent... Voilà, ils peuvent la craquer s'ils veulent, de toute façon, il y a un keypad et tout. Non, il y a pas de keypad cracker ici. Et... Ah merde. Mmh... J'ai enlevé voilà. Ça alors. Et juste, mais... sous la map, du coup, il y a un grill sous ouais. La map. Je viens de l'acheter, en fait, mais il est passé en dessous de la map. Vas-y, je retire ça. Mais il y avait un mec qui avait fait ça, je sais pas, il y a un admin qui est passé, il a rien dit. Et faut cacher le bouton, au pire tu caches le. Désolé. Il reste plus que 200. Bah tiens, j'ai acheté ce qu'il faut. Attends, c'est... What? C'est un truc... C'est un pro... Si je rassure... Ok. Soul lui avec son fric. Ouais. Désolé, mais je suis tout seul là. Ouais. Y'a pas de soucis. Alors, des personnes seront entrées et donc ont forcé le passage. Ils n'ont pas voulu sortir après plusieurs avertissements, sommations en quelque sorte. Ouais, je vais voir donc, ça. J'ai commencé à donner des coups de poing, ils n'ont pas voulu sortir. Je les ai fini par les tuer. Voilà le. Alors. La version. J'ai peut-être abusé à les tuer, c'est vrai, mais bon. Ils sont entrés, ils n'ont pas payé. Bah ouais. Oui, t'avais pas à les tuer. Un petit peu leur job RP. J'avais pas à les tuer. Ils rentrent, ils payent pas, ils veulent pas sortir, je peux alors, pas les tuer. Ah merci. Alors attends, Alexandre, je résume. Tu vas au cinéma, tu payes pas. Le mec il vient te chercher dans la salle, il t'amène dehors, il te colle une balle dans la tête, c'est normal. Ah non, je les ai avertis de sortir parce qu'ils avaient pas payé. Tu n'as pas à les tuer. Tu n'as pas à les tuer parce qu'ils n'ont pas payé. T'as pas à les tuer tout court. Comme j'avais 2000 sur ouais, moi, peut-être, il y avait l'autre. Bah c'est bon, il t'as les de la place. Récupéré, ok. Et après lui, oui. Il dit rends l'argent ou je te bute. Il a dit ça. Non, et après, il avait il pas buté, payé. Il avait pas payé non plus. Du coup, si tu veux, c'est son pseudo, c'est Arlema.
c'est un agent de sécurité comme moi. Il n'avait pas payé non plus, il est rentré, je lui ai demandé de sortir, il a pas voulu. Voilà. Et il a ramassé ton argent aussi, je lui ai dit de le... comment de le redonner parce que tu serais revenu et je te l'aurais redonné. De toute façon, mon seul but, c'était que tu sortes. De toute façon, Alexandre, tu serais sorti. Alexandre, tu n'as pas à les tuer, de toute façon, quoi qu'il arrive. Tu es propriétaire de cinéma. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler deux secondes. Tu es propriétaire de cinéma. Tu n'es pas flic, tu n'es pas gangster, tu n'es pas mafieux, tu n'es pas yakuza. T'as pas à les tuer. T'as aucune raison RP de les tuer. Donc je fais quoi du coup ? Bah je vais les remettre là où ils étaient, puis après on va discuter tous les deux. Vous étiez où et les gars ? Mon argent. Okay. Moi, j'avais tu te rends ton argent, ouais, y'a pas de soucis. Je m'en fous de ton argent. Je veux simplement que vous compreniez que quand je vous dis de sortir, vous sortez. Si vous sortez pas, j'ai pas d'agent de sécurité, donc je peux pas appeler un agent de sécurité pour qu'il vous mette à la porte. Ouais, mais dans ce cas-là... C'est pour ça que j'ai commencé à vous frapper, vous sortez pas, bah excusez-moi, je fais mon boulot, je vous tue. Oui, c'est ça, Ramos. Et en plus... La prochaine fois... Et en plus, oui, dit, d'accord, okay, mais okay. Je vous ai demandé à plusieurs Alexandre. Reprises de sortir. Ok, j'arrête, je m'en vais. Je comprends, votre, taper jusqu'à votre que sentiment, mais vous êtes dit de sortir. Tu veux bien me taper à la mairie, s'il te plaît ? Parce que j'étais à la mairie. Alors, je vais te taper sur un toit. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a du coup ? Donc là, bah, ça va être un avertissement, Alexandre. La prochaine fois, tu appelles la police. Tu cherches pas à comprendre, t'appelles les flics, tu dis voilà, j'ai deux personnes qui veulent pas sortir, faut vraiment la jouer RP, quoi, comme un vrai patron de cinéma ferait. T'as pas à te faire justice toi-même, quoi. Ok, je pourrais juste avoir un avertissement, pas de warn, parce que j'aime pas les warn. Bah, c'est ça le warn. Warn en français, ça veut dire avertissement, non, Alexandre. D'accord. Ouais, je sais, ouais. Ok. Si je voulais te demander, vu que tiens, par la même occasion sur TTP, j'étais au début comment cuisiner fast food et j'ai tout perdu du coup après le reboot. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un remboursement à la même. Pareil ou pas ? Je vais demander à un autre admin, mais normalement sur les reboots, il n'y a pas de remboursement. Bouge pas. Oui, mais t'inquiète pas, je vais les surveiller. Mais il avait pas à les tuer de toute façon. Quoi. Valérie, est-ce que Valérie... Je sais pas s'il va marcher le... Il est passé où ? Il est sérieux lui ? Qu'est-ce que tu fais ? T'essayes de te suicider oui. Ou quoi ? Non, je saute juste, je regarde d'accord. La ville. Je vais te reposer au cinéma, j'attends une réponse. Je suis tout seul pour l'instant. Donc il va falloir être patient. Ok, est-ce que tu peux activer les lampes s'il te plaît pour le cinéma ? Parce que c'est galère, il fait noir et tout. Je sais pas faire ça. Désolé. Bah tu vas dans échappe, tu fais tab. Tu vas dans serveur setting. Ah, et normalement t'as variable serveur, je touche pas. Je touche pas aux variables, j'ai pas envie de foutre le bordel. Je te remets au cinéma. Ah mais je fais comment pour... Salut Tanguix. «
Du coup, je fais comment pour mon serveur? Utilise ton tool gun et mets des lampes, tout simplement. Mais on peut pas. Ah si, t'as le droit à 4 lampes. Bah non. Lumière. You have the lamp limit. Ouais, mais c'est pas assez puissant. Bah les gens ont qu'à allumer leur lampe. Ouais. C'est bon. Je suis pas au variable. Cette histoire là. Arl. Oui. Pour la défense du patron de cinéma, quand il vous a demandé de sortir, vous étiez censé sortir. Quand il a demandé de sortir, il m'a direct agressé, donc. Bah la prochaine fois, vous sortez. En fait, monsieur Admin, je vous explique. Monsieur il Admin. A tué l'autre. Ça va être toi, Tanguy. J'ai récupéré son argent pour lui redonner. Parce que ça se fait là, ça se fait là, ça se fait là, ça se fait pas de ce fait. Après, il m'a dit, rends l'argent. Parce qu'en fait, il voulait juste l'argent. Après, il m'a buté. D'accord. Bon, mais la prochaine fois, sortez, d'accord? D'accord. Allez, bon jeu. Elle est où l'autre? Merci. Il s'est tiré l'autre. Simple. Merci pour ton follow, Maurice. Il est pas connecté, Shox. Hey, Froufrou, tu vas bien depuis le temps? Voilà comment on troll quand. Ok, nickel. J'y mets en dessous vu que c'est petit. Voilà. Ah ouais, en bleu et tout, c'est stylé. Boulette de viande, ça c'est du non RP ça. Bah alors ma biche, qu'est-ce que tu deviens? Et oublie pas, hein, je débarque demain à Paris. Ça. Ouais, j'ai une chaîne Tanguix. T'as les liens en dessous. Moha, merci de ton follow. Monsieur, vous sortez s'il vous plaît. Sortez s'il vous plaît. Monsieur l'agent, sortez s'il vous plaît. Monsieur l'agent, sortez une fois. Monsieur attends, l'agent. Attendez, monsieur. Attendez, quoi? S'il vous plaît. Sortez deux fois. On n'a pas le temps là. Sortez. Monsieur, arrêtez de me laisser comme ça et demandez ça. Ne me demandez ça gentiment s'il vous plaît. D'accord? S'il vous plaît, vous pouvez sortir. Merci. Attends. Alors d'une, vous allez me ranger cette arme tout de suite. Vous n'avez pas à sortir votre arme de service, monsieur. De deux, vous allez changer de nom. Henri Cochet n'est pas un nom RP, c'est un jeu de mots. Donc, changez tout de suite, s'il vous plaît. Oui, mais j'aimerais bien savoir comment faire. Il suffit de demander. Je fais des... En fait, je prends les meilleures scènes des lives et puis je les mets sur YouTube directement en Tanguix. C'est pas de problème, Guzman. Marqué Val, c'est marqué en haut. Impulsion.
C'est bon, monsieur. Voilà, parfait, je vous laisse partir, monsieur. Bon jeu à vous. Voilà. On a un bot de night là. Voilà, je vous le redonne. Comment t'as pu me retrouver, Guzman? Sérieusement. Nathan, la spécialité, c'est la pizza. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Faites-moi des pizzas. Pas de problème. Merci, Tanguix. J'essaye au maximum, mais par moment ça m'arrive de faire du no hors RP aussi. Vous avez tout compris. Attendez, 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 monsieur. Attendez. Ico attendez. Où est le tonnerre? Oui, viens par là, s'il te plaît. Ici, là. Où? Là? Là, là, à ta droite. Je suis quasiment à la fenêtre. Tu peux m'expliquer le principe de ce que t'es en train de faire, vite fait, s'il te plaît? De quoi? Je comprends pas ce que vous voulez faire. Bah là, on construit. Non, mais pourquoi tu t'as recruté un psychopathe? C'est de la curiosité, hein, c'est rien d'autre. Non, c'est pas un psychopathe, c'est un cousin à moi. D'accord. Oui. Il y a un problème, c'est un monsieur. Cousin, il se l'est recruté parce qu'il est arrivé dans la ville et il a besoin d'argent. D'accord. Et monsieur, Arl. T'inquiète pas, c'est mon cousin. Je t'explique. Tu vois, lui, vu que c'est un dictateur, tu vois, il veut peut-être faire des mises à mort ou quoi. Ok. Ah bah voilà, ça va être le bourreau du maire. Voilà. Je l'ai recruté, c'est un cousin un petit peu... je l'ai recruté. Ok. Il a un job. Mais D'accord. Faudrait lui faire prendre une douche et le faire changer de t-shirt. Tout sérieux et tout, tu m'as fait flipper. La voix toute sérieuse que t'as pris. Monsieur Icomex. Oui, il fait peur, monsieur Sam. Bon, arrêtez de lui faire peur, il est sensible. Là. Oui, je suis très sensible, je suis cardiaque. Aïe. Bon, je monte, j'ai un zombie, frère. Maxime, à ta droite. Oui. As-tu lu les règles? Bon Dieu. Oui. Oui, tu les as lues? T'es sûr de ce que tu dis? Oui. Donc tu sais que tu vas prendre un warn là. Est-ce que tu sais me dire pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de voler les véhicules quand un policier est en intervention. Non, t'as pas le droit de voler les véhicules de service tout court. Sanctionné.
eux que j'ai mis là. D'accord. Je vais pas te warn parce que je t'ai arrêté d'accord, avant que tu le fasses. Mais retiens bien ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Ok. Merci. Bonjour à toi. Photo, c'est vous ? Oui, oui, c'est moi. On a une grosse commande. Tu peux monter, on a des collègues qui attendent des armes, ça vous dérange de monter ? Non, non, j'arrive. Ah, merci, c'est très aimable à vous. Ah bah, excusez-moi. Oh, un jouet. Bah alors, comment elle est arrivée là, le secrétaire? Oui, oui. J'ai pris une chaise et elle m'a... Enfin, et quand je me suis relevé, elle m'a envoyé dans la... sur le toit. Ah ouais, t'as pris une chaise et quand tu t'es relevé, elle t'a envoyé sur le toit. Non, le c'est que t'as du mal la prendre. Non, mais non, en fait, je me suis assis sur la chaise. Une pizza 25 fois. Et quand je me suis relevé, bah, elle m'a envoyé sur le toit. 32, s'il vous plaît. Ah, elle a pas dû aimer alors. Et 32. Oui, on veut une 32 fromage. Ouais, c'est mieux, je pense. C'est plus. Gold, merci du follow. Débrouillez, monsieur. Merci. Vous créez des variétés de fromage. Oh. Allez, attendez, allez. J'arrive, je m'assois, je prends le chaise. Merci, monsieur. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Je vais prendre une 32 fromage aussi. Bah oui, 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 une 32 fromage. Une 32 fromage. Vous allez bien, monsieur? Ah, moi ça va toujours, moi. Avec ma grosse voix. Comment ça, ça garde ma place là? C'est bon, je vais faire pipi, ça prend ma place. Ah, le monsieur à la casquette, monsieur, là. Monsieur, là, avec la casquette. La vitesse a un peu brûlé, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est pour vous. Volante, là, oh, putain, bien joué, vous l'avez mis par terre. C'est vraiment dégueulasse, hein. Monsieur. Attendez, je vais vous la changer. Un peu la hache en ce moment. Donc du coup on mange des pizzas cramées. Est-ce que le monsieur en face de nous là... Monsieur avec je sais pas, il a une tenue costume assez bizarre. Voilà, merci, je préfère monsieur. Je préfère. Merci. Qui veut une pizza, le monsieur en costume? Voilà. Oh, la table. Ah, il a cassé la table. Ah, il y a une sécurité. Eh, prenez soin du maire de la meilleure. Ah, il y a une sécurité. J'ai juste éternué. On pète pas les tables du maire. Il a cassé la table. J'ai une pizza pour me s'habiller bizarrement là-bas. Pas pour toi, pas pour toi non bleu. Là, tenez monsieur votre pizza. Ah mais décidément arrêtez de faire tomber vos pizzas par terre. Merci monsieur. Bien monsieur, c'est très gentil voilà, de votre monsieur. Part. Monsieur, ah, monsieur il a une pizza et en plus il pète la table et moi j'ai toujours faim. Ouais, et donc. Bah. Attends, mais ah c'est bête, être un dictateur et mourir de faim. Vous voulez une pizza monsieur le dictateur? J'ai des sushis, si vous voulez. Mieux vaut être culotté qu'avoir un... Ouais, un Bermuda aussi bizarre. Ah, monsieur, c'est mon cousin, monsieur. C'est mon Bermuda. Cousin, moi. Monsieur, attendez, vous avez une tenue moulante là. C'est pour faire la gym, votre. Ouais, c'est quoi cette tenue moulante? Excusez-moi, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une prise d'otage. Moi, sa tenue, que je vais devoir aller. Bleu, là, moi, sa tenue, elle me fait de l'effet. Ah, d'accord. D'accord, monsieur. Il y a une prise d'otage qu'il faut que j'aille surveiller. Soirée, à bientôt. Je sais plus trop quoi. Bon, je pars. Bonne soirée, monsieur. Thank you.
C'est moche, hein. C'est très moche. Ah, c'est... C'est bizarre, surtout. Ça, faut arrêter de laisser Aiden conduire. Hein. Bah, on sait même pas où est-ce qu'il a eu le permis, donc... D'accord. Ah, je reviens. Reste... C'est nouveau ça. Qu'est-ce qu'il y a, Hamid? En fait, je me suis débloqué. C'est la voiture okay. de flic, elle voulait pas spawn et d'un coup elle a spawn. Merci. Okay. T'es au courant qu'il y a une prise d'otage? Oui, mais en fait là j'étais bloqué dans le concessionnaire, donc okay. là je vais prendre ma voiture, mon argent et tout. Merci. Moussa, t'es au courant qu'il y a une prise d'otage? Admin, là, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, y a quelqu'un qui était bloqué, donc j'ai dû le tuer pour qu'il spawn. Et en fait, il m'a dit, bah ramasse mon argent. Je l'ai ramassé, mais j'ai rien du tout. Il y avait 642, là j'ai 305, mais ça c'est mon argent d'avant. Ça c'est ça, peut-être vraiment, le lag. Je sais pas, je c'est l'ai peut-être ramassé, le lag. Ça. Il a disparu. Salut Alpay. Ok, merci. En fait, moi je les ai ramassés, je vais donner à lui après. D'accord. Moi, bon, allez-y. Vous allez sur la prise d'otage là, de toute façon. Ouais, ouais. Ok. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, il y a la motarde dans le cinéma, là, m'a frappé. Pour quelle raison? Pour aucune. Je te signale que pour appeler la police, tu prends ton téléphone, tu fais le 911, plutôt que des annonces écrites. Je vais voir. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu frappes le teneur du cinéma? Le teneur du cinéma. Parce que... ça bug trop son truc là, ça nous énerve, en plus c'est cher. Donc en gros, tu vas au cinéma, le film bug, tu vas prendre le gestionnaire du cinéma et tu vas le frapper quoi, dans la vie réelle. Bah non mais voilà. Bon alors, pourquoi tu le frappes? Ça sert à rien ce que tu fais là. Mais genre, parfois, genre on bougeait un peu dans le cinéma pour se placer et ils nous disaient arrêtez de bouger, autrement j'appelle la police. Bah moi, je vais dire que tu vas rester dehors, là. Alpay, merci de ton follow. Ouais, ouais. Tu vas pas retourner au cinéma et surtout, bah si tu le croises, tu vas éviter de le frapper, ok? Ok. Par contre, j'aimerais bien être remboursé, quoi. Ah non, tu seras pas remboursé, ça t'apprendra à frapper comme ça gratuitement. Salut Swears, bien ou bien. Au revoir. Est-ce qu'il veut m'avoir? Fais-toi rentrer. Ah, merci. Tu peux me remettre dans la mairie, s'il te plaît? C'est mon toi. Mais ouais, mais c'est pas ma faute. Aidez-moi, je suis sur le toit. J'ai le vertige. Je suis pétrifié. L'ennemi, il est venu, il a dit que c'était son toit. Oui. Merci. Je cherche l'agent de sécurité.
Agent de sécurité. Éviter d'aller au train, la dernière fois je l'ai supprimé. Ouais mais là les flics ils sont sur une prise d'otage Ramos. Et puis il était temps aussi que les motards soient remis en place parce que c'est pas la première fois qu'on nous a... Tryfox, merci du follow. De toute façon c'est simple, t'es admin sur un serve. C'est comme si tu gérais une crèche. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que c'est, ce délire ? C'est un peu participé. Crozix, merci du follow. Ouais, ouais Morgane. Vous me donnez 10 000, vous dites. Ah oui, la femme. Il faudrait 10 000 pour la prise de tâche, s'il te plaît. Okay. Attendez, on va élaborer un plan, ça c'est net. Hein. Moi je les laisse pas filer avec 10 000 dollars. Marover, merci du follow. Déjà, en première ligne. Alors, ouais. déjà c'est le GIGN qui décide. Déjà, c'est lui qui va vous donner les ordres, c'est son boulot là. Vous êtes que 4 là sur la prise d'otage ? Donne les ordres. Ah non, il y en a d'autres. Là. Je vais te chercher les 10 000. Sam, tu peux taper l'autre. Le commissaire, je sais pas ce qu'il fout. Ouais, le commissaire et l'autre hygiène en fait, parce que je sais pas ce qu'il fout. Ouais, c'est Noah okay. Et puis l'autre, et puis le commissaire. C'est comment pour avoir une torche déjà. F. Enfin, moi c'est F perso, après je sais pas toi. Ouais, c'est la touche de base F. Okay. Qui est classe avec l'arme. Par contre, c'est moi qui. Moi et le deuxième GGN qui vous expliquera ce qu'on fera. De toute façon, on va lancer un assaut. Vous allez rester derrière parce qu'avec vos petits péteux là, vous allez rien faire. Attention, mais mettez-vous. Un assaut, peut-être. Il y a deux otages quand même. Ils vont être morts. L'assaut est à prévoir là. Ils ont aucun endroit pour tirer, ils ont protégé toutes leurs fenêtres. D'abord, on est ici, oui, voilà. Bonjour, collègue. Bonjour. D'ailleurs, j'ai une affaire juste après, ok. Je réussis à grimper sur un toit, j'ai vu un mec qui veut la mettre en méthamphétamine. Ce con, il a pas barricadé les... Ça passe les à faire, là, déjà, les otages. Encore de la mettre ? Encore de la mettre ? Père. Ouais, c'est à côté du cinéma. On va dire après, mais là, on finit le raid... Enfin, on finit la prise d'otage, puis le raid... Monsieur, vous les armes, l'autre il le veut pas. Prenez, on vous les offre, l'autre il le veut pas, tenez, prenez. Allez, on vous l'offre. On vous l'offre, tenez pas, monsieur l'homme. C'est New York, salut Louis.
Ardos, merci du follow. Oui, t'as le droit, du moment que tu joues RP, t'auras pas de problème. Hein. John, tu feras attention, t'avais des props qui traînent à l'extérieur qui sont tombés, ok? Ouais, j'en ai vu un qui était tombé. Je me dis qu'il fallait 10 000 là. Slozef, merci du follow. Tiens, j'étais sous Morgane. Désolé pour l'attente. Avant qu'une caméra entre. Ce qu'il nous faudrait, c'est une voiture qui fasse le tour, tu vois, pour aller tout là-bas, derrière. Ouais, non. Ah, ce qui m'énerve, c'est que. Je vais voir un peu comment c'est pour te dire, ok. Il y a un problème, Morgan? Je vais leur dire parce qu'il m'a passé l'argent. Ou sinon, je le passe à eux, je sais pas comment ils veulent en fait. Ça dépendra. Comment je peux zoomer? On va spec. Parce que c'est. Loup, là. T'as plus un bouton droit du tout. Ouais, Théo, c'est ça. Tu avances. Ouais. C'est lui. C'est toi, là. Ouais. Tu veux y aller ou tu veux que j'y aille? Parce que j'ai eu les sous. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Gold, ouais, mais comme je suis admin, le problème c'est qu'il faut aussi que j'admin et que je suis le seul admin disponible sur le serveur. Mais sans te faire remarquer, tu vois que t'es en train d'analyser. Ouais, il y a un dessous de toi, attends. Je suis le seul. Voilà. C'est bon. Ok, j'y vais. Vas-y. Et tu sors les otages directement dès que t'as donné l'argent et t'essayes d'observer, ok? Attendez. Ok. Par contre, il faut monopoliser un flic qui ramène les otages au commissariat pour prendre la déposition. Bah je sais pas moi, y'a un connard qui m'a volé ma voiture alors que j'étais en train d'inspecter un truc. Ils ont pas hâte de te voler ta voiture, appelle Sam. Je sais mais j'ai un peu de la flemme pour le moment. La dernière était Naon gros. Alors, là, façon, je sais. Il y ramènera au centre-ville et après on... Je crois qu'il y a des fusils à pompe. Il y a quelqu'un qui avait l'air de tenir un fusil à pompe à l'intérieur. Ouais, t'as vu Proed? Ouais, Ben Killer, t'es jamais content. Ouais, t'inquiète, on finit ça, on fait ça propre, sans que personne ne meure. Et en fait, dès que le négociateur est situé, on l'envoie en ville chercher. On va ramener les otages, ok? Ouais. On ramène les otages et après, bah, on s'occupe du gars qui fait de la merde. Tu vas voir, j'ai un point de vue parfait. Si le mec, il a pas encore barricadé ses fenêtres, c'est juste un gros gogol. Voilà. C'est mieux pour toi, Ben? Oula, attendez, vous l'avez pas vu celle-là. Attendez, je vais essayer de faire le tour peut-être, non? Je tiens sur la caméra, elle est HS. Je peux pas leur dire ouais je ramène juste un otage, il se barre avec l'autre. Vous comprenez? C'est ma place là qui est en jeu. On va le libérer, mais ne pas 30 secondes à faire avec celui-là déjà. Ferme là, Link. Dans 30 secondes, je reviens. Merci Rémi. Et je vous dis la réponse. Ok, ça marche comme ça? Non. 10 000 euros, l'otage sort.
deuxième avec nos voitures. C'est tout. Ça c'est pour le d'abord. Pourquoi tu fais des mandats, t'as pas une raison. Si, j'ai une raison. Alors déjà tu fais quoi? Attends. Déjà tu fais croire qu'il y a un mur derrière. Ouais, le mur. Ouais. Je peux. J'ai pris mon mandat. Ah oui. Alors sur quelle base t'as fait ton mandat? Alors en fait tu vois, je connais les appartements par cœur de cette ville, je connais la ville par cœur. Et en fait il fait croire qu'il y a un mur. Tu vois, il fait croire qu'il y a une seule salle de bain. Et alors? Tu vois, il y a les trucs, tu vois, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, tu vois, il y a des barrières qui font tout l'appartement et on les voit. Et alors? Il essaie de me tromper et il dit non. Vive non, le bled, non, merci du follow. Et en fait, tu vois, derrière la porte, il y a un keypad. Alors, et en plus, toi, t'entends bien la drogue qui fait... Tu n'es pas censé l'entendre. Donc, je dis, c'est bon, il fait de la drogue. Aziz, le mec, tu n'es pas censé l'entendre. Oui. Mais il essaie de me tromper. Attends, il essaie et alors de faire croire que... Et alors, s'il veut pas que tu rentres chez lui, t'as pas à rentrer chez lui. Tu ne demandes pas un mandat parce que tu penses qu'il te ment. T'as déjà vu ça, franchement? Bah oui. Je te parle pas dans le jeu, je te parle dans la vie réelle. Les flics ils rentrent pas chez toi parce qu'ils disent attends, il a dit que la porte était fermée, elle était ouverte, j'ai demandé un mandat quoi. Non, là, il m'a ouvert la porte. Et c'est bizarre d'avoir un appartement juste avec une seule salle de bain. C'est bizarre, y a pas de salle à manger, y a pas de cuisine. Et alors on appelle ça un studio mon gars. Non, mais il n'y a qu'une salle de bain. Le truc a fait. Elle fait ça, elle a fait que ça, la truc. Ça, ça. Et ça, voilà, il n'y a qu'une salle de bain. Avec une seule porte d'entrée, avec un keypad caché derrière la porte, un faux mur. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et alors, t'es pas censé voir à l'intérieur vu que c'est à l'étage. Aziz, tu me laisses terminer? L'appart est à l'étage, t'es pas censé voir à l'intérieur. T'as aucun bâtiment à proximité où tu puisses monter à l'étage légalement pour voir à l'intérieur. Il t'a refusé l'accès, tu n'avais pas de mandat. Tu n'avais pas. Mais il m'a... je suis arrivé, je fais ouvrez, c'est la police. Et il a fait d'accord, attendez, finis de me laver. Ouais, c'est clair, Ben. Alors j'ai attendu, il a ouvert la porte et il avait. Jeune rat super, merci du follow. Il y a qu'une salle de bain, il fait oui, il y a qu'une salle de bain. C'est quoi ça? Il fait c'est un mur. Je fais pas, bah c'est bizarre parce qu'il y a déjà il y a des bouts de fer qui dépassent. Et alors? Enfin, tu vois, il y a des barrières qui dépassent. Et alors? Ça continue. Ça ne t'autorise pas. Il a dit non, j'ouvre pas. Ça ne t'autorise pas à faire un mandat, Aziz. On va pas tergiverser là-dessus pendant toute l'après-midi. Non, t'as pas le droit. T'as aucune preuve, t'as juste un mur. Waouh, mon Dieu, le mur dépasse. Ah, je vais demander un mandat. Bah, moi, je vais demander un avertissement pour toi. Parce que t'es... Visiblement, tu comprends pas. Et je vais te demander d'aller relire les règles. Ouais, je dis que je connais toutes les règles. Enfin, que je connais... tous les appartements, donc qu'il arrête de mentir. Tu sais, ça fait bizarre, tu vois, je connais l'appartement par cœur parce que je faisais que d'y aller. Et là, comme par hasard, j'y vais, il y a un mur qui vient d'apparaître, apparemment. Et alors? Bizarre. Et alors? T'es pas censé connaître tous les appartements, hein. T'es censé juste arriver en ville, mon gars, hein. Souviens-t'en. T'as pas demandé des mandats comme ça, hein. Et une fois à l'intérieur de l'appartement, il construit comme il veut. Hein. Ça te regarde pas. Hein. Allez, je te repose en bas. Bisous Ben, à toutes. Non, vous reviens à l'appartement, il y a une voiture à un collègue. Je vais lui ramener. Yuri ? Donc c'est bon, j'ai réglé le problème avec lui. S'il recommence, tu m'appelles. Ok, merci. C'est dégueulasse le York. Oula! Non, ça va, Rexy.
Ah, et puis même, c'est à l'intérieur de l'appart, il a pas... Il a pas son mot à dire, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas? Alors, donc, y a eu un free kill, donc j'étais sur une prise d'otage, tu vois, je viens d'arriver sur le serveur. Je vais dans le serve et on dit dans la non, radio qu'il y a une prise d'otage, donc je me dirige vers la ferme, celle où il y a la prise d'otage. Je me gare et pile quand je sors de la voiture, on me tue. Et il arrive, il me dit alors tes hommes, ils ont voulu faire le show alors que tous mes coéquipiers étaient encore là, alors qu'il n'y a que moi qui est mort en fait. Ok, on va voir ça avec les preneurs d'otages. Je vais te TP, on n'engage pas d'action, ok? Alors... Lily? Oui? Tu peux rester là deux secondes, s'il te plaît? Ou je t'emmène sur un toit, peut-être? Pas de soucis. Comme tu veux. Bouge pas. T'as participé là à la mort du commissaire ou pas? Non, enfin je l'ai vu en direct, mais. Ouais. D'accord. Parce que apparemment pour lui c'est un free kill. Vous aviez annoncé que tout homme armé ou qui se ramènerait vous tireriez dessus. Non, il est en pas fait, bloqué en whitelist. Je sais pas si. En fait ils ont lancé l'assaut, donc. Ok, attends, j'ai le TP là. La prise de visage s'est un peu mal déroulée. En toute amitié, et voilà. C'est bon, là je suis TP, donc j'arrive tout de suite. Donc, Nicolas. Monsieur Baker, ici présent, vient de m'expliquer que tu es intervenu sur la prise d'otage alors qu'un assaut avait été lancé. Les ennemis, quand on est à la mairie? Bah, je sais pas, moi je viens d'arriver. Je venais d'arriver sur la prise d'otage, je suis sorti de ma voiture, on m'a tiré dessus. Monsieur, apparemment, Mais ils venaient de. Tes collègues venaient de lancer l'assaut, c'est pour ça que. Ils ont tiré, ils ont pas cherché à comprendre. Sais, ils pensaient que tu faisais partie de la vague d'assaut. Je connais à peu près. Et au niveau RP, bah, ils ont le droit. Alors, y'a pas de soucis alors. Voilà. Pas de soucis, alors. Je te remets en bas, Nico. Tu peux me TP au Taco Bell parce qu'apparemment, y'a mec qui veut se faire tuer. Je suis pas taxi, hein. Attends, je redescends Billy déjà. Merci. Je te lâche maintenant ou on te remonte un peu d'abord? Bon, t'inquiète, il y a l'hôpital à côté. Bonjour à toi. Merci. Oh, je suis bonne. Salut, Krim. Où est le Krim? Salut XCTV, bien ou bien. Alors Aiden avait... Ouais, désolé pour l'attente Aiden. Ouais, c'est réglé, je me suis fait rembourser la thune que j'ai perdue mais pas les armes. C'était qui? Je sais pas, un flic. Il sait même pas conduire le gars, il a failli faire kill 3 personnes. D'accord. La prochaine fois, note-moi son pseudo. Attends, je peux peut-être le retrouver, tu me diras. Ouais, mais là, je l'avais pas, le pseudo. Ouais. Noah Predo.
C'était Noah. Ouais, il m'a remboursé l'argent que j'ai perdu. Je lui ai dit que c'était pas grave hein, pour les armes. Ok, pas de soucis. Je vais juste aller lui dire de faire attention. Bon jeu, bon live. À toi aussi, Aiden. Noah, descends de voiture 2 secondes, s'il te plaît. Bisous, Frofou. À bientôt. Il est parti où, là? Non, mais de l'autre côté. Noah, va falloir que tu fasses attention en voiture, s'il te plaît. Ouais, je suis désolé. Bon, là, ça va, t'es tombé sur quelqu'un de ghoul, mais d'autres personnes se seraient énervées bien. Alors, fais attention sur la route. Depuis juillet, il crée. Mais c'est au garage, en fait. Ouais, donc fais attention, s'il te plaît. Ok. Ouais, à plus. Elles sont dures à conduire. Je suis en train de faire sa drogue. Et crime, merci du follow. Mais il a juste fait une bedding door en fait. À mes souhaits. Ah bon, Wackies? Ouais, je me suis déjà fait raid par Adrigeek, tout ça. Adrigeek, Nicodoc, et je sais pas qui. Mais du coup, on est des fous. Vérifie qui prend pas. Bonjour. Vérifie. Merci Survivor. I'm for you, mon ami. Imperio. Pour ceux qui ne le trouvaient pas. Oui, Imperio. Bonjour. Bonjour. En fait, je viens... Ah, j'adore, moi j'ai mode. Pas pour larguer tout ça, mais en fait, je crois que c'est toi qui m'as mis un advert la dernière fois. Et je voudrais avoir l'avis des autres amis, en fait. Un warm, tu veux dire? Oui, parce que j'étais warm, parce que... En fait, j'étais avec Kaka sur Skype, et on était sur le trottoir derrière un bâtiment, et il voulait tester si le bouclier marche, tu as mis un warm, parce que c'était pas... Alors, pas la chose à faire en fait. C'était pas la chose à faire, d'accord. Donc en fait, en gros, tu m'expliques que tu respectes pas les règles, je te mets un avertissement dans ce sens. Et en gros, pour toi, c'est pas normal. Non, mais je viens juste demander l'avis des autres admins parce que. Il y a que moi là pour l'instant, Emporio. T'es pas convaincu en fait. T'es pas totalement convaincu, d'accord. Parce que. Ouais, je sais, c'est pas des choses à faire, mais voilà. Je vois que t'as été warn une demi-heure avant que je te mette le mien. À mon avis, t'as très peu de chances de te faire retirer oui, ton warn. Ça, c'est ok, mais... Ça, c'est ok, ouais. Mais attends, t'as beau être avec quelqu'un sur TS, ou sur Skype et compagnie, ça ne te donne pas de droit, pas plus que d'être streamer, tu sais. Voilà, moi aussi j'ai déjà eu des warns, j'ai fait amende honorable.
Maintenant, par la suite, si tu te conduis bien, il n'y a pas de souci, t'auras pas de souci. Hein. Respecte les règles, même si t'es avec un ami. Hein. Même nous, quand on est plusieurs admins à faire du RP, on respecte les règles. Hein. Ouais, mais là, c'est le truc, j'ai deux, si je fais la moindre erreur, bah voilà quoi. T'es pas forcément ban au troisième, hein. Si c'est pas des fautes majeures que tu fais, tu seras pas ban au troisième. Hein. Ok, mais si c'est un petit erreur d'RP, j'aurais une braquette de 100, bah 300, c'est pas totalement grave, c'est ça? Non, tu seras pas forcément ban au troisième si c'est des petites erreurs, c'est tout. Ok, merci. Derrière. C'est pour savoir ça, en fait. Le mec, il fait une faute, il se prend un warn, et bah non, c'est pas normal, quoi. Oui, je me suis pété la jambe en plus. Alors, il y a toujours personne là sur TS? Ouais, c'est à peu près ça, Erexi. Spec, hein. Ça marche pas. Voilà, ça lag là. Hey, j'ai un méga lag là, c'est quoi ce délire? C'est tuture. Ah, bon, on a un crash serveur. Comment? Tuture, merci de ton follow. Ouais, rip le serveur. Le serveur est foire un peu par moment. Vivement que c'est fini. Vous savez pas. Ouais. Oui. Ça, donne-moi une petite pièce, s'il te plaît. Attends, viens. Une petite pièce. Là, pour éviter tout metagaming, j'ai fait slash job citoyen pour éviter qu'on voit psychopathe. Est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas trop droit? Ouais, t'as le droit. Ok. T'as le droit. Après, les gens peuvent aussi se baser sur le skin, ça malheureusement on n'y peut pas grand chose. Après, c'est à toi, par rapport à ta façon de jouer, de détecter les gens quand ils font du méta ou pas, quoi. D'accord. Ok, pas de problème, merci. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Monsieur...
s'est échappé, il s'est échappé, il s'est échappé monsieur, il s'est échappé. Bon, il est où? Ah, il a l'air d'avoir un peu d'action là. Respecte le commissaire. Mais sérieux quoi, je peux pas être 30 secondes kill quoi. Oui. Non mais oui, mais je regarde ce qui se passe monsieur. Bah il m'a donné un coup de matraque électrique quoi, comme ça au calme. Vous faites quoi à l'intérieur monsieur? Bug monsieur, pardon. Bah je regarde ce qui se passe. Non, vous restez à l'intérieur, vous sortez pas monsieur. Vous l'avez laissé rentrer monsieur le petit frère? Oui, il est rentré de force. Non, d'accord. Donc... Bah, il m'a pas dit. Non, mais attends. Si, je vous ai dit partir, monsieur. Je vais vous TP tous les deux sur un toit, vite fait. Voilà. Donc, physio, depuis quand la police rentre librement comme ça chez les gens? Mais en fait, genre, il avait laissé sa porte ouverte, donc j'ai voulu regarder ce qui se passait dedans, parce que ça faisait longtemps qu'il était là et tout. J'ai pas laissé. Je venais d'entrer dans mon appartement, et puis lui, il entre, et puis je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous avez à faire dans mon appartement? Je vous prie de sortir, et puis il sort pas. Arrête, tu m'as jamais dit ça, donc arrête de mentir. Si, je t'ai dit ça. Vas-y. Si Flo, viens ou bien? Déjà, tu rentres chez quelqu'un sans y être invité et sans mandat. T'as rien à faire à l'intérieur. Sauf si la porte est grande ouverte, et encore, quand il te demande de sortir, tu dois sortir. Mais il m'a jamais dit ça, donc ouais. Moi, je vous fais un rappel à l'ordre, là. Bah oui, y'a pas de soucis, t'inquiète, hein. Là, s'il avait eu une classe où il avait un port d'armes, il aurait eu le droit de te tuer et t'aurais rien pu dire. Vous avez pas le droit d'avoir d'armes, monsieur. T'as pas le droit d'avoir d'armes en tant que vendeur. Qui, moi? Bah oui. Mais ouais. Dépose ton arme au sol, s'il te plaît. Alors, viens faire ta terre. Ça va Flo, merci. Ouais, c'est les motos ça, Rexy. Faut faire plusieurs fois l'essai. Donc physio. Je vais te remettre en bas. Joue un peu plus RP et respecte un peu plus les règles. Sinon la prochaine fois c'est un warn. Ah mais ouais. Ouais, pardon. Bon jeu. Et où? Je crois que ça bug un peu. Ouais, un peu, ouais. Bonjour à toi. Merci. Switch d'armes. Non, bah, concrètement, il veut pas lâcher. Ah. Ouais, je vais le spectre, Arthur, t'inquiète. Je vais le surveiller. Là encore, le mec m'aurait dit, bah écoute, je suis en plein live, tu regardes le replay, puis voilà. Alors, tu as interdiction de t'en servir. Ouais. Aurélie Majo, Majo, merci de ton follow. Vraiment, enfin voilà, je trouve cette règle, après je sais, c'est pas moi qui changerais ça, mais je trouve cette règle un peu bête, dans le sens où nous, si on se fait agresser, bon, on n'aura pas les mêmes droits que les citoyens qui se font agresser, quoi.
C'est la vie. Je trouve ça un peu bête. C'est pas moi qui fais les règles, mon gars. Allez, je te mets en bas. Ouais, je sais, mais bon. Range ton arme, s'il te plaît. Je te laisse là ? Non, c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit très correct. Allez, bon jeu à toi. Bon jeu. Bon jeu, bon jeu. Moi, j'administre. Je joue pas là. Bam, Aurélie. Ah, t'as plus de micro, Aurélie. Ah bah c'est bête. Je me disais bien que ton nom, enfin ton pseudo me disait quelque chose. Salut Jimmy. Et voilà, ça rebug. Ouais Steve. Bah, je me suis fait un reste, comme ça, tu vois, il y avait un mec, tu vois, il a essayé de me tuer, il m'a dit, je lui ai demandé de l'argent, parce que je suis SDF. Ensuite, il m'a dit, ouais, viens avec moi, je te donne de l'argent, il a essayé de me tuer. Ensuite, le mec, il vient, il me dit, ouais, si tu te fous de moi et tout, je t'envoie en prison et tout. Après, le mec, il était parti et tout, après... Ça fait beaucoup d'après, quand même. C'est le commissaire qui m'a mis en prison. D'accord. Ah bon ? Pour quel motif il t'a mis en prison, le commissaire ? Oui, tu peux, Arthur. Et la raison RP pour te mettre en prison. Mais j'ai rien fait, mec. Ok. Justement. Nicolas. Oh. Attendez, j'ai... Merci, ça va Jimmy, attendez, merci. Attendez, j'ai quelqu'un là. Je suis avec un admin, HRP. Potentiellement, j'ai Aurélie, potentiellement. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je peux savoir pourquoi t'as arrêté le SDF ? Ah, parce que tu peux faire TP ces deux personnes qui sont témoins de la chose, attends. Ouais, j'ai passé une bonne journée pour l'instant, Jimmy. Ah mince, c'est pas moi que tu parlais. Il y a Maxime Couillard, que tu peux faire TP, et un autre, que, ben, si tu fais spawn Maxime Couillard, et ben, l'autre, il va te dire ouais, mais... qu'il va faire. Bah en fait, tu vois, j'ai pas compris pourquoi tu m'as mis en prison. Tu m'as mis en prison parce que, en fait, parce que le mec n'était pas là. Bah, il croit qu'on l'a mis en prison parce qu'il y a aucune raison. Tu sais que c'est le SDF de tout à l'heure. Ce serait bien d'expliquer aux gens. Il a payé l'amende, donc il va en prison. Pourquoi je suis là Bah, je sais pas, on m'a dit que je pouvais te TP alors. Parce que t'es témoin, C'est toi qui l'as arrêté avec moi et tout, c'est toi qui l'as emmené à la voiture. Donc, attendez. Quand vous mettez quelqu'un en prison, moi, quand je suis commissaire ou flic, ce que je fais, c'est que je leur dis bah, voilà, monsieur, vous ne payez pas l'amende, donc vous allez en prison. Faut vraiment, comment dire. Pas respecter la sémantique, mais presque quoi. C'est-à-dire, tu payes pas, tu préviens le mec, monsieur, vous payez pas, bah donc vous allez en prison. C'est pas genre, tu mets le coup de bâton et puis ça s'arrête là. Salut Oshiman. Il y avait qui une sorte de. Enfin, pas une prise d'otage, mais des trucs avec des gangsters. Qu'est-ce que je fous là ? Alors, qu'est-ce que tu fous là ? On m'a demandé de te TP. Oui. Oui, bah, c'est moi qui demandé de te TP. Bah, parce que c'est toi qui as arrêté le clochard avec moi, donc il y a une raison que je l'ai arrêté. J'ai pas arrêté moi, le clochard, moi. J'étais avec mon collègue. Non, mais c'est toi qui étais avec moi dans la HLM et qui est arrivé et qui a dit monsieur le clochard, je vais te foutre notre gueule. Bref, Steve, il y a bien une raison RP pour ton arrestation. Donc je vais te redescendre. Ah ouais, tu fais quoi alors ? Bah, t'as pas payé l'amende. Oh, mais je m'excuse encore de ne pas avoir. Ouais, voilà. De ne pas l'avoir. Mais je vais pas payer une amende. Juste parce que. Ouais, t'as un gros problème de micro, Steve. Règle-moi ça, s'il te plaît. Non, Chris, il est pas là, s'il te plaît. Rayonix, merci du follow, mec. Non. C'est un peu mieux, mais c'est pas terrible. Là. Là, c'est mieux, là. M'écris pas dans le micro, ouais, s'il te plaît. On s'en fout.
C'est mieux là? Ouais, c'est un peu mieux. Bon, je vais vous remettre tous en bas là, j'ai un autre truc à aller check. Ah non, c'était pas toi. De Rexy, merci du follow. Rendez-vous à la Paris Games Week pour ceux qui seront là. Hein. On m'a prévenu qu'il y avait des gangsters qui merci. Bon jeu. Port de permis d'armes. Très bonne question. Fais-moi un don de 50 euros au Shiban et je te kick un AFK à chaque fois. Si tu... Zéro sans gluten. Hugo ? Oh merci, vous êtes un ange, monsieur. Oh là 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 là. Ah oui. Oh là 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 là. Dans la vie réelle. Ah, oh là. Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de la loi qui interdise qu'on braque un McDo ? Ah non, mais je sais pas, il y a un mec qui avait dit qu'on avait pas le droit, donc je sais rien moi. Si, si. Je sais pas, je demandais. Si, si, t'as le droit. Sérieux, on a pas le droit ? Non, t'as le droit. Je me disais aussi. Oui, je me disais aussi. Allez, à bientôt. Salut Sam. Salutations. C'est Dom. D'accord, je suis en stream. Ouais, je sais, désolé. Est-ce que tu peux me virer les AFK là? Ouais, je vais faire ça. Ok, allez, je te laisse. Bon stream. A plus. Mais j'habite à 5h et j'y vais moi. Ah mais y a pas d'AFK. Ah y a pas d'AFK Ben, désolé. Oui, c'est off. Alors, Dom. Channel switched. Dom, y a pas de place. Channel switched. Ouais, Théo. Je suis en stream. Ok, ok. Bon, vas-y, j'arrive. Je vais aller RP. Faut faire un café. Let's Tionk, merci du follow. Ouais, vas-y, vas-y. Et j'avais dit cinéma. C'est off, merci de ton follow. Vas-y, la bande annonce, le film va arriver après. Ah non, par contre, c'est un mec qui a pas de sens. Je vous ai observé. C'est pas observé. Kaylee, merci du follow. Faut prendre un appareil. Ma chère mademoiselle Everdeen, augmentez votre son. Ne commettez pas d'erreur. Le jeu touche à sa fin. S'il y a le film après, il va avoir de sacrés problèmes, lui. Ah. Il y a Iron Man. Pour la première fois de notre vie, les 13 districts sont unis. C'est qui, c'est le projectionniste ? Notre futur commencera demain à l'aube. C'est qui était là, là ? Capitole. Pour nous ralentir, le président. Oh, Prince Pépitos, merci du follow. Ça va être mon petit Jack. Ouais, le cinéma est plutôt bien fait, hein.
sixième Hunger Games. C'est ça, Jack. On n'aura pas de deuxième chance. Il faut que ça marche. Fox, merci du follow. On va attendre un peu là, ça me casse les oreilles. Fox, merci du follow. Elles appartiennent à Snow. Mais si tu le tues, Katniss, si tu mets fin à tout ça, toutes ces morts. Attends, j'entends rien, je suis au cinéma là, je guette un truc. Là, c'est la bande-annonce de... Merde, comment ça s'appelle là, l'autre avec son arc là. Hunger Games. Et le mec, il, en gros, il va diffuser Les Visiteurs, donc j'attends de voir si c'est le film complet, quoi. Vous avez sauvé le pire lycée de France. Cette année, vous enseignerez dans le meilleur collège. Terre. Les meilleurs profs du monde! C'est de la merde. Le château d'Harry Potter. Vous devez toujours saluer la statue sacrée. Salut la statue sacrée, bien? Non, proprement. Salut, ça va, tranquille, proprement? Pardon. Bonjour les étrangers! Salut maman Koala. Winter the prison. Pas mal, mais cette punition elle existe plus depuis au moins 1000 ans quoi. Welcome to our fault. Grâce à Smalls, shut up. Shifumi. Ciseaux, ciseaux. Fidélité. On remet. Ok les puceaux. Tu contractes les fesses, hop là, et t'es bien sur les cuisses, d'accord? Bam. Et après les esquios, hop, tu veux faire du rugby. Problème, t'as pas de ballon, t'as pas de poteau. Tu fais quoi? Tu rentres chez toi? Non, non, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes par les Hilton? Eh oh Bollywood là, oh, on entend que toi, tais-toi. 10 sur 3 égale. On fait moins les malins là, hein? Méthode française. Alors, Louis McCall. Tu vas voir Louis ou pas, Théo? Pas chargé. J'ai pas chargé encore. Là, je suis en scène qui est en tout là. Oui, Louis? C'est quoi ce bordel là? Salut les gars. Bah, y a des gens, ils m'ont pris en otage, ils m'ont mis là, ah, ils sont partis. Il y a un ami à moi qui. Donc, je fais quoi, moi? Je fais comme un con. Attends, deux secondes. Vous avez peut-être vu, c'était celui qui était avec moi là quand j'étais à la mairie, là. Sébastien le sage. Ouais. Ouais, il a fait sa demande. Ouais. Mais c'était pour voir si vous voyez assez souvent dans le jeu, quoi. Je sais pas, j'ai pas fait attention jusque maintenant. Par contre, là, t'es en jeu d'homme ou pas? J'essaye de me connecter, mais plein. Donc là, d'accord. Parce que là, j'ai une construction à l'extérieur, au-dessus du ravin, d'une cage. Ah, ok. Du ravin? Ouais. Bouge pas, je vais chercher le mec qui a construit. Allez, au-dessus du ravin. Gundel, merci du follow. Là, il est full de chez full, là. Ça fait 2 minutes là, que je suis en train de... Non, c'est bon, j'ai rejoint. Enfin, ça, le temps que ça charge. Lui, il a réussi à rejoindre. Je vais aller voir ce qu'il fait, ta cage. Là. Julien, c'est quoi cette construction là? Bon, bref, voilà, c'est pour vous prévenir. Ouais. C'est vers les chalets, non, Sam? Vous êtes pas assez là. Tu l'as kidnappé, ouais, tout seul, le mec? Bah non, bah tu t'as pas kidnappé, hein. Je vais juste en dessous. Bah tout de suite, peut-être, on verra. Attends, c'est pas lui qui a appelé, Théo. Mais de base, c'est Louis McCall, Théo. Ah, qui a crash, Louis McCall. Ouais, mais les prises d'otages, ça se fait dans une maison, Julien. Bah ouais, je sais. Mais je pensais à un truc, c'était d'affaire là-bas. Attends, on va aller là-bas tous ensemble. Il a appelé, je peux être en dessous. Le truc, c'est qu'il y en a qui sont déconnectés, il y en a qui sont crash. Voilà. Donc tu le libères, s'il te plaît, vu que vous êtes plus assez.
Ouais, mais y en a qui vont se coller. Non, mais même, c'est Julien, cette construction, elle est pas RP du tout. TP-toi sur moi, Théo, tu vas comprendre. Ah bah bravo, tu l'as tué. Je te garde ton argent. Ok, merci. Julien, ça sert à quoi en fait là? Bah en fait, il y avait un otage dedans, j'ai demandé de le relâcher et là il l'a fait tomber, il est mort. C'est pas RP du tout ça comme construction. Comment? Je veux pas dire, hein, Julien, mais le sol, il tient comment? Il y a des piliers? Même pas. Oh putain, j'ai pas le destructeur qui a chargé. Ouzi à Warn pour construction d'ORP. Le Warn alors? Ouais, construction d'ORP, s'il te plaît. Y a rien qui tient, tu sais. Ok. Donc, Julien, oui, tu vas être Warn. Sérieux? Bah oui, c'est pas RP du tout là. Bah de base, c'est pour le nombre de personnes qu'on a. Non. On ne tolère les constructions que des SDF. Les autres n'ont pas le droit de construire à l'extérieur, entre guillemets. Donc là, je vais te mettre un avertissement. C'est un simple avertissement. Ok? De quoi, Jack? Je peux pas tout faire là. Ouais, vas-y, fais-le. Ouais, juste avoir mon argent. Voilà. Merci. Merci. Y a pas possibilité que ce soit un avertissement. Non, mais sérieusement, le mec il est en train de me demander s'il peut. Putain, et il troll les admins, Alexandre, là, j'ai envie de le claquer. Je peux diffuser des films de plus de 18? Attends, il est pas sérieux. Lui. Non, mais c'était du troll, hein. Lui. Je sais même pas s'il y a des demandes à mine parce que je les reçois pas, les deux sommes. Oh. Sam. Voilà. Donc c'est ton deuxième, alors fais attention s'il te plaît, Julien. Oui, pas de soucis. Salut YouTube. Il n'y a jamais de reset des warns. De quoi? Tu fais exclamation de... warn et tu peux voir tes warns. Mais ouais, mais il n'y a pas de reset. Salut Xemnas. De quoi? Excuse-moi, j'ai du mal à entendre ce que tu dis, tu grésilles là. Il n'y a pas de reset, enfin, c'est un moment où ça sera à zéro. Pas que je sache, non. Au pire, tu fais une demande sur le forum. Ah, mais il est sérieux. Excuse-moi, faut que j'aille voir quelqu'un, là. Ouais, parce que, tu sais, je pas... Attends, je reviens à toi après, Julien. Je reviens à toi après. T'es sérieux, là? Ouais. Bah ouais. Bon, c'est pas fait depuis 18, mais est-ce que j'ai le droit? Non mais t'es vraiment sérieux? Attends, c'est un film complet que tu diffuses là? Bah oui, pourquoi? Arrête-moi ça. Théo, t'as chargé là ou pas? Dans le cinéma là, je vois pas. C'est le film complet qu'il est en train de diffuser. Hein. Ouais, mais je le vois pas en fait moi. Je vois juste l'image fixe de. Viens sur le toit. Film. Allo? Non, mais lui, de toute façon, je vais les commenter. Ça demande de candidature. Je vais. Non, mais il était sérieux pour la demande de diffuser des films de cul. Hein. Sam? Oui, bouge pas. Attends, Alexandre, t'étais sérieux quand t'as demandé pour des films de plus de 18 ans? Bah oui, genre des films d'horreur, des trucs comme ça, pourquoi? Et après, tu veux. Tu as demandé. T'as fait une candidature pour être whitelist sur le forum? Bah oui, pour accéder au job. Ouais, c'est clair, Jack. Ah, d'accord. Parce que tu crois qu'une personne comme toi... Je kiffe. Non, si on peut mettre des films au moins de plus de 18 ans, alors que c'est bien stipulé dans les règles... Et les films copyrightés.
Par exemple, pour les visiteurs, t'as pas le droit au contenu copyrighté, hein. Ni les pubs pour les autres serveurs, et ni les contenus de plus de 18 ans. Et tu me dis que t'as lu les règles, Alexandre, c'est grave quand même. Ouais, mais genre des films d'horreur, je peux pas, donc... Mais les courts-métrages gratuits, ça foisonne sur YouTube. Sévère et pourri, YouTube Euro. Okay. Tu trouves ça pourri? Le mec, il diffuse un film copyrighté, alors que c'est interdit dans les règles. C'est sévère et pourri, ce que je fais. Pour moi, les films, ils sont sortis depuis longtemps en DVD et tout, donc je pensais que je pouvais les mettre. Il y a un copyright dessus, Alexandre. Du coup, on peut pas diffuser de vrais films. Non, tu mets des courts-métrages, des bandes-annonces, des trucs dans le genre, quoi. Pas de contenu copyrighté. Des trucs sans droit d'auteur. D'accord. Bah, excusez. Bah, j'arrête, je vais mettre que des bandes-annonces, alors. On fait quoi, en Louarn ou pas? Bah, je suis en train de lire, dans les règles stipulées, c'est marqué, c'est direct un ban. Ah ouais. Voilà. Coucou Proxia. N'importe quoi. Non, il y a des films d'horreur de plus de 18 ans, en vrai. Cinéma, tu attends deux secondes, on est en train de discuter, Alexandre. D'accord. Comment j'arrête le film? Je sais pas. Oh, juste à supprimer le cube. Tu sais, t'as le cube que t'as acheté où tu mets le lien. Ah oui, d'accord. Tu sais, supprimer, ça te l'enlève. Ouais, mais lui, à voir. Ah, cool, okay. Proxia. C'est bon à savoir, ça. Mais on verra, parce que ce soir, je risque de pas stream. Soso Couscous, merci du follow. Ah ouais! Ouais, c'est ton deuxième cet après-midi, Alexandre. Encore à voir, non, mais vous abusez quand même. Et normalement, c'est le ban, hein. Normalement, c'est le ban, c'est dans les règles, hein. T'es censé les avoir lus. Hein. Mais juste pour un film, quoi. Théo, t'es son deuxième warn et il me fait « Ouais, t'abuses ». Je l'ai déjà warn cet après-midi pour un free kill. Hein. Il a free punch un mec et il l'a tué parce qu'il voulait pas sortir du cinéma. Laisse-le, il prendra son troisième d'ici ce soir, il sera bon de perdre. Allez, je vais te redescendre. Quand j'appelle un admin, c'est moi qui me fais encore baiser. On fout le feu à mon magasin, après on me vole. Après je me fais tabasser. Non, tu t'es pas fait tabasser, tu leur as demandé de sortir, ils l'ont pas fait. Tu les as tués à coups de poing, c'est pas pareil, Alexandre. C'est pas logique. Il est revenu, il m'a tabassé après. Et pourquoi tu m'as pas appelé? Bah je t'ai appelé, tu m'as envoyé bouler. Non, tu m'as pas appelé, j'ai pas vu des flics. Ah bah oui. Mais si, il t'a pas tué? Il t'a tué ou pas? Non mais il m'a tapé. Il m'a quand même free punch pour rien. Et bah porte, faut utiliser le système RP aussi un peu. Oui mais là je mets quand même un film, ça y est je me fais rewarn pour ça, c'est quand même abusé. Au lieu de me le dire, on a plus de film, j'ai compris. Alors attends. Les films, c'est dans les règles, Alexandre. On est bien d'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que t'avais lu les règles. Non, j'ai pas vu les... Oui, j'ai lu les règles, mais je l'ai pas vu, cette règle. Bah, je te conseille de les relire. Bonjour à toi. Ça fait que... Bizarrement, c'est au deuxième warn que les gens font un peu plus attention. Hein? Tu diffuses au cinéma, bah tu diffuses des trucs sans copyright, sans rien. Bah oui. C'est pour ça que personne va au cinéma. Ça n'a pas rien. Non, le mec il rage parce que je lui mets son deuxième warn du jour, quoi. Ouais, c'est pas grave, ça prendra un troisième, je suis sûr.
Il me fait ouais, c'est moi qui appelle l'admin et c'est moi qui me fais baiser. Bah oui. Bah ouais, mais bon. Tu violes les règles, tu. Y'a un pizza yolo ou pas? Bah non, c'est bon. Je regarde s'il fasse pas lag de serveur. Je vais retourner au cinéma, voir ce qu'il diffuse. Moi, ah bah, il va le revendre. Ouais, c'est parce que tu spec. Non, 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 j'étais dans le cinéma. D'accord. À un moment donné, j'avais un truc qui avait pas chargé, ouais. Ouais, il a tout supprimé les props, il va se barrer. Le cinéma est à vendre. Et ET. Oh, ça arrive quoi. Bah, c'est tant bien que Dom soit là, moi je vais déco après. C'est pour des films dans l'ERP, mais on demande à ne pas diffuser de contenu avec du copyright. Valérie, elle est partie faire du CS. C'est James. Bastien le sait. Petit de la cité, merci de ton follow. Je vais voir Nathaniel. Qu'est-ce qui t'arrive, Nat? Ouais, laisse le BG, merci du follow. Il y a Steven Mac Alistair, il m'a insulté de tous les noms. Il t'a insulté de tous les noms? Ouais. C'est pour que tu verras. Ah, c'est Steve. Pas Steven. Steve, viens là. Qu'est-ce que tu dis là? Alors, on va se mettre sur un toit, je reviens. Ma Piel, merci du follow. Je peux te mettre dans le propos que tu veux, Manu. Alors, Nathaniel ici présent, et arrête de lancer de la merde là. Okay. Là, t'es en discussion avec un admin, t'es pas en train de jouer là. Alors, tu mets tes mains dans tes poches et tu écoutes ce qu'on a à te dire. Alors déjà, si tu peux baisser la télé, s'il te plaît. Alors, je peux savoir pourquoi tu l'as insulté? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Théo? J'ai regardé ses wars, mais... À qui? Au Clodo? Ouais, zéro. Non! Non! Ah, c'est ah non, ça se fait des DDoS. Pourquoi tu l'insultes? Quand il y a du DDoS dans l'air. Quelqu'un que j'ai warn à tous les coups. Salut. Yaya, le serveur se prend une attaque. Ah, je sais pas si c'est une attaque. Si, si. Pour que ça fasse comme ça, une connexion problème et que ça réapparaisse, c'est une attaque DDoS. C'est pas un crash. Grip. Mets tes choses. 4 heures si tu veux. Pas grave. Mickaël, merci du follow. Si tu regardes, ça repart, ça revient, c'est des DDoS. C'est un mec que j'ai ban, tu crois? Non, non. Comme d'habitude. Quoi. Ouais, c'est comme d'hab. Ça va ma petite Proxia? Donc je te vois pas la PGW ma biche. Ça moi où ça crache les gars? Non,
C'est le serveur qui doit avoir mal aux dents. Ouais. Ah, c'est possible, Prince. Voir peut-être une attaque, c'est là. Oui, non, mais c'est une attaque, ça. C'est l'attaque des Claude. Ouais, c'est une attaque. Faut attendre que le serveur... L'attaque des qui le... Des Claude. Des Claude. Ah oui, des Claude. Ok. Comme dans l'épisode 2, l'attaque des Claude. Ah, ok. Et le Claude. Ouais, Sino, t'as vu? Truc de ouf, hein. J'adore les vacances. 50 viewers. Pompon. 1383 follow. Pompon. Il est temps de rentrer, il y a des ennemis. Faut attendre que ça passe. Ouais. Pendel, merci du follow. Ta sœur qu'on entend ? Oui. Je vais déco, moi, de toute façon. Je vois rien. J'ai ban personne, YouTube. Tu vois, tu racontes temps. N'importe quoi. Amine le Blédard, merci du follow. Ouais. Albrush, merci du follow. Viens, vas-y. Bah, c'est pour faire. Pour enquiquiner le monde. Là, il prévient Michou hier. C'est lui qui s'occupe de toute l'infrastructure réseau, donc. Mais c'est le taf, YouTube Bureau. Hein. Tu warn, hein, c'est pas la fin du monde, t'as le droit à 3 warns. Pas grave, t'es pas ban. Abusé, hein, moi j'avais 2 warns sur la tête. Hein. Le Blédard, c'est un mec qui fait 3500 viewers en permanence, Link. Ouais, je sais pas, les gens aiment ce que je fais. Simplement. Prends-le à la main, louloute. Bah, bravo, Jack. Quelle délicatesse. Quelle poésie. Alors, papy, time out, ça veut dire que pendant un certain laps de temps, il peut plus parler sur le chat, c'est tout. Non, j'ai pas besoin d'anti-DDoS, YouTube. Bisous sur les 4... les 4 joues, Proxia. Et je reçois bientôt les barrettes, en plus. Grâce à toi. Ça continue, Ouais, c'est la webcam, ça. C'est la caméra, mon cœur. Oulala, vous tous. Ouais, il me parle en privé, Rexy. Je suis juste admin, papy. Je sais pas, YouTube, je surveille pas le chat. Si t'as été time out ou ban, c'est que t'as dû faire le chat, tout simplement. Ouais. Petit, comme tu peux le voir, j'ai 3-4 actifs. Salut, démoniaque. Bon, bah, je vais. Ah. Je commence à faire des choses là, ça m'a chargé des trucs. Ça m'a pas été clean up, non. Comment on fait les clean up d'ailleurs? Oui. Il y a plusieurs sortes de clean up dans le menu, il faudra que je t'explique l'autre façon que Lucas Parker fait généralement. Sauf ça clean les voitures, ça clean. A plus Sino. Faut juste attendre, là, le cerf il va peut-être revenir, je sais pas. J'ai 34 ans. J'ai vu qu'il y avait eu un clean-up, je sais pas qui c'est qui t'a fait. Ça va être Jay. Ok. Bon ben moi je vais déco, ça sert à rien de... Moi je vais continuer l'histoire dès que ça revient avec l'autre gamin là.
Avec le SDF et Nathaniel. Ouais, mais de toute façon, il y a le replay si jamais il dit quoi. Apparemment, il l'a insulté, je sais pas. Attends, je reviens. Sound muted. Bon bah voilà, on continuera le live ce soir. Là, je vais arrêter, le serveur a crash à cause du DDoS. On va attendre de voir ce que ça donne plus tard. Donc je vous dis à ce soir à partir de 22h30. Par contre, je fais un gros stream étant donné 4h30 pour à Paname, rejoindre Link, rejoindre Adrigui et associé. Donc je vous dis à ce soir, bisous à tous et à ce soir.